Bonsoir. Au nom du service de chirurgie plastique du CHUM, je suis très heureux de vous accueillir pour notre événement annuel Bravoure, qui a été concocté par l'équipe de reconstruction, le groupe de reconstruction du service de chirurgie plastique du CHUM. Un programme très riche a été préparé pour vous et pour répondre à toutes les questions que vous avez sur la reconstruction mammaire. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Donc, bonsoir à tous et bienvenue à la soirée Bravoure. Je suis Dr Joseph Boumeri, je suis chirurgien plasticien et directeur de l'unité de reconstruction du sein au CHUM. Je suis heureux d'animer ce soir avec Lynn Dolan, une précieuse collaboratrice pour la soirée. Bonsoir Lynn. Bonsoir Dr Boumeri, je suis très heureuse moi aussi d'être avec vous ce soir. Imaginez-vous donc que c'est la 8e édition de la soirée Bravoure, la 2e en virtuel et on vous a concocté une très très belle soirée. J'aimerais que vous nous parliez de façon résumée, quels seront les sujets abordés ce soir? Effectivement Lynn, nous parlerons surtout de la génétique et du risque de cancer du sein en cas de mutation génétique et de la chirurgie préventive en cas de mutation génétique. On parlera du cancer du sein avec ou sans reconstruction. On va parler des avancées en radiothérapie pendant la mastectomie partielle, qui est une nouveauté au CHUM, et des étapes finales de la reconstruction mammaire, ainsi que le traitement chirurgical du lymphédème. Et surtout un sujet très chaud et intéressant aujourd'hui, c'est la préservation de la fertilité chez les jeunes patientes prises avec un cancer du sein. Le tout avec nos médecins spécialistes et aussi des témoignages qui seront aussi émouvants qu'instructifs. Le tout débute tout de suite après la pause. Restez avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Je suis très heureuse que la Fondation du CHUM soit encore cette année partenaire de la soirée Bravoure, une initiative emplie de bienveillance avec un contenu remarquable qui, grâce à l'excellence et l'expertise de nos médecins spécialistes, changera des vies, vos vies. À la Fondation, nous sommes fiers de permettre aux équipes dévouées du CHUM de concevoir la médecine de demain afin que vous ayez accès aux meilleurs soins qui soient. Bravo aux organisateurs pour toute cette superbe édition. Je vous souhaite une excellente soirée. Donc, vous venez de... Donc, dans cette partie, nous parlerons du risque du cancer du sein en cas de mutation génétique. Qui devrait-on tester et pourquoi? Nous sommes avec plaisir avec Dr Ella Faf, généticien médical au CHUM, et d'une patiente partenaire au CHUM, Mme France Dalpé. Bonsoir. 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 Et nous allons débuter la soirée avec vous, Mme Dalpé. Alors, quelle chance on a de débuter cette soirée-là avec un témoignage. France Dalpé, vous êtes une patiente partenaire et vous avez également été diagnostiquée avec le gène BRCA1. Comment on vit ce diagnostic-là? Racontez-nous votre parcours. En fait, c'est ma jeune sœur, la plus jeune de la famille, qui c'est avec elle qui a débuté l'histoire du BRCA1 lors de son diagnostic de cancer. C'est la première qui a été testée dans la famille avec un diagnostic de mutation du BRCA1. Suite à ça, bien, on a découvert qu'il y avait une histoire familiale. Ma mère est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 39 ans. Sa sœur aussi à l'âge de 52 ans. Il y a ma jeune sœur, la plus jeune, qui est décédée à l'âge de 51 ans d'un cancer de l'ovaire. Et il y a l'avant-dernière de la famille qui est présentement en traitement pour un cancer de l'ovaire aussi. Elle a 56. Quelle histoire de vie, hein? Quelle histoire de famille. Comment on vit ça? Et comment, quand c'est dans un contexte familial où j'imagine que les gens doivent se faire tester parce qu'on sait que le gène existe dans la famille, comment les patientes sont prises en charge? Comment ça se passe? En fait, la personne qui est testée, bon, son médecin l'a référé en génétique, mais aussi il y a un test de dépistage qui se fait pour les autres membres de la famille. À ce moment-là, on a un rendez-vous avec une
excusez, une conseillère en génétique. Puis, lors du premier rendez-vous, j'ai décidé de faire la prise de sang. Environ 6 à 8 semaines plus tard, j'ai eu un deuxième rendez-vous avec ma conseillère qui m'a confirmé que j'avais un test positif au BRCA1. Évidemment, l'histoire se poursuit. Toute la famille chez nous sont porteurs de la mutation. J'ai un frère et 3 sœurs. J'ai 2 enfants, une fille qui a fait le test et n'est pas porteuse. Puis j'ai un fils qui n'a pas fait le test encore. Puis il y a plusieurs autres membres de la famille qui sont porteurs de la mutation aussi. Puis, Et là, vous êtes aussi impliquée en tant que patiente partenaire. Donc, vous accompagnez des femmes qui reçoivent un diagnostic similaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui nous écoutent, qui viennent d'apprendre ce type d'annonce? En fait, c'est quand on a une mutation, on a toujours des choix à faire que, bon, évidemment, avec le BRCA1, bon, on nous propose une chirurgie préventive des ovaires. Puis pour les seins, on nous propose soit une mastectomie ou bien un suivi médical qui est en alternance mammographie et résonance magnétique aux 6 mois. Évidemment, en 2012, j'ai fait de la chirurgie préventive des ovaires. Puis pour ce qui est de la mastectomie, malgré le risque, j'ai préféré attendre pour en espérant que je ne développerai pas la maladie. Puis évidemment, lors de ces tests, il s'est révélé une activité cancéreuse. Fait qu'à ce moment-là, même si j'étais préparée puis je connaissais les possibilités, j'étais quand même en état de choc. J'étais déstabilisée, un peu comme me balancer sur une corde raide. Oui. À ce moment-là, suite à ça, bon, évidemment, j'ai rencontré l'oncologue, j'ai rencontré un plasticien, j'ai reçu beaucoup d'informations. Mais c'est pas évident quand même parce qu'on a plusieurs choix. Puis, évidemment, on veut essayer que ça soit le mieux possible. Donc, essayer d'éviter de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Fait que c'est difficile. Puis, en tant qu'à l'époque, moi, j'ai subi ces traitements-là, en fait, ça n'existait pas les patientes partenaires. Mm-hmm. J'aurais tellement aimé parler avec une patiente qui a passé par là, mais même si j'étais bien entourée par ma famille et mes amis. Donc, évidemment, j'ai consulté une psychologue pour m'aider à avoir tout clair, avoir clair dans tout ça, puis de prendre la meilleure décision pour moi. C'est ça qui est important, hein? de sentir que cette décision-là vous appartient. Oui, puis de prendre le temps de ne pas mettre ça en urgence, de bien s'informer. Il y a plusieurs ressources. On n'est pas laissé à nous-mêmes, mais il faut prendre le temps puis d'analyser vraiment ce qu'on veut, puis tout ça. Donc, suite à ces parcours de recherche et de travail à savoir vraiment ce que je souhaitais avoir, finalement, en 2014, j'ai décidé de faire la mastectomie totale bilatérale avec reconstruction immédiate. Lors de l'opération, il y a dans mon sein gauche un vaisseau sanguin qui s'est obstrué. Donc, on a installé un expanseur. Les résultats de la pathologie ont été négatifs, donc pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie. Puis, les prothèses permanentes ont été installées plus tard, quelques mois à peu près. Puis, ensuite, il y a eu finalement l'asymétrie des seins qui a été faite. Bien, une chose est sûre, vous avez l'air en pleine forme. Très en forme. Et pour les personnes qui sont à la maison, nos patientes peuvent aussi compter sur vous en tant que patiente partenaire. Donc, c'est un très beau cadeau que vous faites à toutes les femmes. Oui, bien, lors de mon parcours de soins, en fait, j'ai été invitée à me joindre à un groupe de travail pour un projet de patiente partenaire. Évidemment, j'ai accepté de m'impliquer dans ce projet qui s'appelle Parole Onco. Puis, ça donnait un sens à ce que j'ai vécu, puis mon expérience, mais je pouvais en faire profiter d'autres femmes qui ont un parcours comme le mien pour les aider à prendre leurs propres décisions. Merci énormément, Mme Dalpé. Ça va être pour ce beau témoignage. Très, 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 très intéressant. Merci vraiment d'avoir été là. Merci, Florence.
Donc, je me trouve maintenant avec Dr. Ella Faf, généticien médical au CHUM, qui va poursuivre avec ce volet génétique très important. On commence par la prévention, Dr. Ella Faf. Une première question à vous, avant de procéder à la deuxième question. Pouvez-vous nous expliquer brièvement qui est à risque et qui devrait-on tester? Parfaitement. Alors, on a appris ces 20 à 25 dernières années qu'il y a un contexte de prédisposition héréditaire au cancer. Et donc, disons globalement, si on est jeune, on développe un cancer du sein avant l'âge de 50 ans. S'il y a des associations d'autres cancers dans la famille, comme un cancer de l'ovaire ou un cancer du pancréas, ou s'il y a des cancers du sein au-delà de 50 ans, c'est plusieurs membres de la famille apparentés, on peut considérer que la personne pourrait avoir un risque de porter une mutation dans un des gènes qu'on teste actuellement. Donc, il y a des conditions aussi qui amènent à un risque faible. Par exemple, une dame de 65 ans qui n'a pas d'histoire familiale. Là, on pourrait considérer que le risque est plutôt faible. Par contre, une personne qui a un apparenté proche chez qui une mutation a été identifiée, cette personne qui est asymptomatique, comme Mme Dalpé a si bien dit tout à l'heure, est à risque de porter cette mutation et donc elle est prédisposée. Donc on a deux situations, une personne qui à un cancer et puis chez laquelle on veut trouver une cause, et puis la personne qui est apparentée puis qui en rejoint la prévention. Et donc là, à ce moment-là, on va utiliser des méthodes de testing familial en cascade pour déterminer le risque pour cette personne-là. Donc, en règle générale, on privilégie l'investigation génétique en premier pour la personne qui a eu un cancer au départ. Donc, on appelle ça le K-index. Et à travers ce K-index, on va tester en cascade les autres membres de la famille. Très bien. Voici une deuxième question, Dr. Ella Faf, si vous allez suivre vos slides. On a entendu parler de nouveaux gènes qui étaient identifiés en génétique médicale. Est-ce que c'est le cas? Et pouvez-vous nous en parler maintenant? Donc, ce n'est pas juste le BRCA1 et 2. Est-ce qu'il y a d'autres gènes qui sont identifiés? Absolument. On était dans l'insatisfaction il y a quelques années devant des familles qui avaient une forte histoire familiale de cancer qui survenait de génération en génération et pour lesquelles les tests BRCA1 et 2 étaient négatifs. Et on était mal à l'aise devant ces familles-là dans notre conseil, dans notre prévention. Et donc, ça fait maintenant 5 ans... qu'on fait des tests multigènes de routine pour investiguer les prédispositions héréditaires au cancer. Effectivement, nous avons une série de gènes qu'on connaît maintenant. Ils sont tous comme fonction la réparation de l'ADN. Donc, leur fonction, elle est essentielle pour nous maintenir en santé. Et s'il y a une faute d'orthographe qui est héritée d'un des parents, ben, la personne à la naissance va avoir cet héritage génétique qui, par la suite, à l'occasion de multiples facteurs, va altérer la deuxième partie du gène et donc va développer différents types de cancers. Donc, on connaît très bien les données pour BRCA1, BRCA2 pour le risque de cancer du sein qui peut aller jusqu'à 80-85% à vie, le risque de cancer de l'ovaire qui va aller jusqu'à 35-55% pour BRCA1 et 15-35% pour les BRCA2. Pour les autres types de gènes, les risques sont plus modérés, comme pour les gènes RAD 50, 51D, 51C. Et entre ces deux-là, on a des gènes qui ont un risque vraiment plus fort que BRCA1, puisque des gènes comme ce qu'on appelle le gardien du génome, qui est TP53, donne pratiquement un risque à 60 ans pour les femmes de 100% de développer un cancer du sein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à travers ça? C'est que maintenant, on vise une médecine préventive et une médecine disons, pas de précision, mais une médecine personnalisé. Donc, ce que disait tout à l'heure Mme Delpé, elle recherchait des façons d'être traitée d'une façon beaucoup plus appropriée. Ce que vous faites aussi pour vos patientes en leur proposant des traitements plus ciblés. Donc là, le test génétique va apporter une meilleure approche de personnalisation des soins et de personnalisation du conseil pour les apparentés qui sont à risque. Donc, on ne va pas conseiller de la même manière une personne qui a une mutation BRCA1
un ou deux, et une personne qui a une mutation dans un autre gène, parce que les risques sont différents. Donc ici, dans le tableau, il y a un tableau pour lequel les personnes pourraient lire les risques. Parfait. Sans trop tarder, parce qu'on va passer à d'autres choses, est-ce que c'est facile de rejoindre le service de génétique médicale et est-ce que les listes d'attente sont longues avant d'être consultées? Alors, on a fait un système de priorisation qui fonctionne bien. L'essentiel, c'est de bien poser la question pour faciliter la priorisation des demandes. Et puis, une fois que la personne est vue, le test en lui-même, il prend en pratique technique 3 à 4 semaines. Mmh. Et donc, le résultat est organisé en conséquence pour rendre le rendu du résultat dans les temps thérapeutiques voulus. Bien. Merci grandement, docteur Alafaf. Merci énormément, Madame Dalpé. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a une personnalisation. Donc, on l'a mentionné, chaque femme est unique et on a du soutien pour vous permettre de prendre une décision éclairée. On se laisse un court moment et on vous revient tout de suite après la pause. Merci d'être là. Merci. Merci à vous. Vous venez de recevoir un diagnostic de cancer du sein et vous êtes envahi par une foule d'émotions et de questions. Saviez-vous que vous pouvez bénéficier de l'expérience d'une patiente du CHUM qui a vécu un parcours semblable au vôtre? Ce sont des patientes accompagnatrices. En complément des traitements et des interventions de votre équipe soignante, elles sont là pour vous écouter et vous soutenir tout au long de votre parcours de soins. Elles savent à quel point cette maladie peut bouleverser une vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Elles sont là pour vous, avec vous. Bonsoir tout le monde. Nous sommes maintenant à notre deuxième segment. Nous allons discuter de chirurgie préventive. Docteur Boumri, j'aimerais que vous nous présentiez nos intervenants. Parfait. Donc, chirurgie préventive en cas de mutation génétique, mastectomie et ou ovariectomie. Nous sommes avec Dr Erika Patoski, chirurgienne oncologue au CHUM, et Dr Diane Provencher, gynéco-oncologue. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Provencher, on va commencer avec vous. Comment déterminez-vous qu'une patiente va devoir avoir se faire enlever finalement les ovaires? Comment on prend cette décision-là en tant que médecin? Écoutez, c'est pas simple, OK? Mm-hmm. C'est vraiment pas simple. Il faut savoir qu'est-ce que c'est un cancer de l'ovaire pour commencer. Fait que par définition, on lui a donné des surnoms. On l'a appelé le cancer sournois, le cancer silencieux, le cancer malicieux. Cependant, on sait aussi que sa survie à 5 ans est 40 %. Donc, tous ces paramètres-là font en sorte qu'il y a une menace qui est beaucoup plus sérieuse ou la surveillance est beaucoup plus difficile. Fait qu'on n'a pas beaucoup d'outils pour surveiller. Maintenant, grâce à des avancées, puis grâce à Mme Angelina Jolie, oui, qui a fait vraiment beaucoup, vous avez sur la diapo la famille d'Angelina Jolie. Alors, si vous regardez à droite, il y a la maman d'Angelina Jolie. Le bébé qui est dans ses bras, c'est Angelina. OK? Maman a fait un cancer de l'ovaire. Elle est décédée très jeune. Dans la famille, il y a plein de gens qui ont plein de cancers de sein, puis même des hommes avec des cancers de sein. Et évidemment, on a fait comme 20-30 ans d'années en ce moment, et les gènes, les mutations dans les gènes BRCA1, BRCA2 ont été découvertes. Donc, comme Dr Elafaf nous a dit, on peut cibler certaines personnes. Mais on est allé plus loin. En bas, on a toute la liste de gènes qu'on teste en ce moment. Alors, on arrive avec encore plus de personnes qui ont des façons différentes d'exprimer le cancer. Toutes ces mutations-là ne donneront pas nécessairement un cancer de sein. Là. Il y en a, ça va être sein, il y en a, ça va être ovaire, il y en a, ça va être les deux. Alors, il y a toute une personnalisation qui se fait qui est très sérieuse. Maintenant, par rapport à la gynécologie, par rapport aux ovaires, vous avez ici le fameux tableau qui est la mise à jour 2021 des différents gènes pour lesquels on va faire une stratégie. Maintenant, ce n'est pas la même stratégie pour tout le monde, ce n'est pas en même temps. Okay? Si j'ai une mutation BRCA1,
je vais tenter de faire enlever les trompes et les ovaires très rapidement, c'est-à-dire autour de 35 ans. C'est quand même jeune, parce que ça veut dire ménopause, OK? Mm. Mais si j'ai jamais fait de cancer de sein, oui, je peux prendre des hormones après. Si, par contre, j'avais malheureusement eu un cancer de sein, mais là, on a une problématique. Les autres, j'ai un BRCA2, ah, c'est un peu plus tard. Pourquoi? Parce que les cancers de l'ovaire arrivent un petit peu plus tard. Donc, ça va être 40-45 ans. Les trois autres gènes pour lesquels on travaille beaucoup en ce moment, qui sont particulièrement exprimés chez les Canadiens français, malheureusement, on a les, du RAD51C, RAD51D, BRIP1. Pour eux, on va faire les chirurgies plus vers 45-50 ans. Pourquoi? Parce que les cancers de l'ovaire vont survenir beaucoup plus tard. On a le syndrome de Lynch aussi également. Fait que donc, c'est notre petit panel en ce moment de gynéco pour pouvoir proposer ces chirurgies-là, étant donné qu'on n'a pas de mesures de surveillance adéquates. Et si on doit avoir une chirurgie, il y a la chirurgie qu'on nomme ovariectomie bilatérale. Alors, à quoi ça consiste exactement? OK, je vais vous montrer quelque chose. Ce que ça consiste, évidemment, c'est d'enlever les trompes et les ovaires, OK? Mais avant ça, il y a un processus de décision. C'est vraiment pas une décision qui est facile à prendre. Il faut vraiment essayer de mitiger. Des fois, il y a des trucs de reproduction. On voudrait avoir un autre bébé ou on voudrait peut-être garder des ovules en réserve quelque part ou considérer plein de choses, OK? Des fois, bien, l'impact, OK? On sait maintenant que quand on enlève les trompes et les ovaires, on va possiblement diminuer le risque de cancer de sein, OK, qui est non négligeable. Ménopause précoce, qu'est-ce que ça veut dire, ménopause précoce? OK, on va parler des chaleurs, on va parler de l'ostéoporose, des troubles cognitifs, cardiovasculaires, etc. Donc, on met tout ça dans le puzzle. Et ensuite de ça, on se dit, OK. Mais ce qui est intéressant quand on regarde, quand on propose aux patientes ces chirurgies-là, OK, la proportion des femmes qui décident d'opter pour cette stratégie-là, d'enlever les trompes et les ovaires, c'est à peu près 57 %. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais évidemment, en cours de vie, il va se passer d'autres événements. Là, les gens vont choisir. Donc, on part encore. BRCA 1, 35 ans, on commence à déranger les gens. Après ça, BRCA 2, un petit peu plus tard. Maintenant, il est arrivé quelque chose de spécial en 2008. OK, 2008, on a découvert que le fameux cancer des ovaires chez les femmes mutées n'origine pas de l'ovaire. Il vient de la trompe. OK? Il vient de l'intérieur de la trompe. Alors, vous pouvez imaginer que faire une échographie pour essayer de trouver s'il a débuté, impossible. Impossible, OK? Donc, on a c'est pour ça qu'en ce moment, on voit des gens qui disent « Vraiment, est-ce que je pourrais pas garder mes ovaires, enlever la trompe seulement? » C'est des choses qui sont à l'étude en ce moment. Okay. Donc, ça permettrait de ne pas avoir une ménopause tout de suite, mais ça n'est pas prouvé encore. Fait que, donc, s'il vous plaît, participez à des essais de recherche, OK, pour pouvoir arriver à une question. Donc, si on décide de faire la chirurgie, on parle de trompe et ovaires. Est-ce qu'on garde l'utérus ou pas? Mais ça, c'est une discussion qu'il y a à faire, OK? Je veux dire, parfois, il y a des patients qui ont des problèmes utérins, tout ça, donc on irait là. On fait la chirurgie. On pourrait avoir une surprise aussi quand on fait la chirurgie. On pourrait en fait en trouver un cancer à l'intérieur de la trompe. Ça nous arrive à peu près 1 à 4 % du temps lors des chirurgies préventives, OK? C'est quand même assez gros. Ménopause à s'en occuper, fait, c'est un peu ça. Donc, c'est beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions, ouais. Beaucoup d'informations à considérer. Ouais. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un soutien pour aider justement les patientes Absolument. À prendre les bonnes décisions. Absolument. Merci beaucoup, Dr. Provencher. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Donc, je retourne vers Dr. Erika Patoski, chirurgienne oncologue du sein au CHUM. Dr. Patoski, j'ai une question d'une patiente. Suite à mon profil génétique positif, j'ai une mutation génétique. On m'a dit que je devais avoir une mastectomie préventive des deux seins. En quoi consiste cette chirurgie? Pouvez-vous nous expliquer rapidement la chirurgie? Bien sûr. Donc, en fait, les patientes ont un choix. On sait qu'on peut réduire le risque de cancer du sein de 95 % chez les femmes qui ont une mutation BRCA1 ou BRCA2. Ça, c'est des études qui ont déjà été faites à grande échelle. Mais la patiente a toujours le choix entre surveillance, examen clinique avec résonance et mammographie versus une chirurgie préventive. On sait qu'aux États-Unis, il y a 40 % des femmes avec mutations connues qui choisissent la mastectomie préventive. On n'a pas vraiment les chiffres au Canada, peut-être un peu plus faible qu'aux États-Unis, mais le restant des femmes ont vraiment un suivi étroit avec leur médecin. Et là, on voit, ça c'est un sondage, puis on ne voit pas très bien, puis je n'ai pas de pointeur malheureusement, mais dans le fond, c'est des informations, c'est un sondage fait auprès des femmes. C'est les infirmières pivots qui ont fait le sondage pour regarder quelles informations que les femmes souhaitaient obtenir avant la chirurgie. Puis c'est vraiment une longue liste d'informations que les patientes veulent avoir comme information pour prendre une décision éclairée. Ils veulent savoir si les mamelons doivent être enlevés. Ça, c'est toujours une première question quand ils arrivent dans le bureau. Et la réponse est non, on n'a pas besoin d'enlever les mamelons la grande majorité du temps. Veut savoir c'est quoi la diminution de risque que je viens de mentionner. Veut savoir
quel type de reconstruction, quels sont les enjeux avec les types de reconstruction, les effets secondaires, hein, tous les effets possibles post-opératoires pour vraiment prendre une bonne décision. Aussi, l'arrêt de travail. Ça revient souvent. Hein? Combien de temps je dois prendre? Puis, on discute vraiment le type de reconstruction. Puis, nous en chirurgie onco, on dit un 6 à 8 semaines. Je pense, en plastie, c'est pas pareil. Fait que les patientes doivent prendre ça en compte pour prendre leur décision. Puis, le timing de quand est-ce faire la mastectomie, si c'est leur décision. Aussi, des photos. Fait que nous, on montre beaucoup de photos à des patientes pour voir les beaux résultats. Puis des fois, c'est bien de montrer les résultats qui ne sont pas parfaits. Hein? Parce que, dans le fond, des fois, il faut retourner une deuxième fois pour que ça soit vraiment une chirurgie parfaite. Au niveau des mamelons, ça fait partie de la liste, la sensibilité au niveau du mamelon, on le perd. Fait que même si on garde le mamelon, au toucher, on ne le sent pas. Puis bien sûr, on ne peut pas allaiter avant. Fait que tout ça, il faut discuter avant. Donc, pour garder les mamelons, je veux juste mentionner le fait qu'il y a beaucoup de sociétés au niveau des États-Unis, Canada, puis Europe, qui appuient la préservation du mamelon. Fait que c'est un peu quelque chose du passé où les patientes arrivent, puis encore ce souci-là, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut garder. Je pense que j'ai deux slides de photos ou trois. Là, ça, c'est la première. Ici, on voit à gauche des incisions périaréolaires. Puis on faisait ça souvent au début. Je pense dans les années 90 puis 2000, on faisait des incisions périaréolaires, on laisse les mamelons, puis on enlève quand même tous les canaux à l'intérieur, puis on voit une patiente avec des implants. Puis à droite, là maintenant, on fait de plus en plus des incisions au niveau du pli mammaire inférieur. Les plasticiens aiment beaucoup ça. Nous, on vous suit. C'est techniquement plus difficile pour nous de le faire, mais je trouve que l'esthétique est meilleure souvent. Puis on voit deux patientes à droite, puis on voit en bas, ça c'est une photo que je monte assez souvent, où c'est pas parfait pour la patiente. Tous les seins sont un peu, il y a un écart entre les deux seins. On voit la cicatrice à droite qu'on ne devrait pas voir. Fait que des fois, c'est imparfait. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose de réaliste. Puis ça, c'est mon dernier slide, juste pour dire pour les patientes qui ont un sein tombant, parce que souvent, les patientes arrivent avec un sein tombant, puis après avoir allaité des enfants, puis ils veulent garder leur mamelon. Puis là, c'est une chirurgie en deux étapes. Fait que la première étape, c'est vraiment une chirurgie plastique, une réduction, un redrapage. Puis après ça, c'est une chirurgie conjointe, puis on enlève le sein, puis on fait la reconstruction. Puis les patientes sont, je pense, très satisfaites. Puis Angéline Jolie, justement, je pense que c'est ça qu'elle a eu en deux temps. Ouais. Fait que voilà. Docteur Pasquier, une autre question d'une patiente. Est-ce que c'est la même chirurgie si j'avais un cancer, la chirurgie préventive et la chirurgie de cancer? Est-ce qu'on se reconstruit en même temps aussi, même s'il y a un cancer? Fait que oui, on reconstruit en même temps. Ça, c'est la si on peut. Ça, c'est la réponse facile. Fait que la différence, vraiment, il y a quelques différences, c'est le ganglion sentinelle. Fait que quand on fait une mastectomie préventive, on essaie vraiment d'éviter les ganglions parce qu'on ne veut pas donner un lymphédème à la patiente. Fait qu'on arrive vraiment proche de l'aisselle, on s'assure que toute la glande mammaire est enlevée, mais on ne veut pas toucher les ganglions. Par contre, quand c'est pour un cancer, on enlève des ganglions. Ça peut être 1 à 4. La moyenne, c'est 2 pour un ganglion sentinelle. Et c'est pour vraiment aider pour savoir après, est-ce qu'on donne la chimio, la radio, quels sont les traitements adjuvants. Fait que ça, c'est une différence. Pour garder les mamelons, c'est vraiment pas quelque chose de standard. C'est des cas sélectionnés. Fait qu'il faut que ça soit un cancer assez à distance du mamelon, parce qu'on ne veut pas des cellules tumorales résiduelles derrière le mamelon. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde avec les radiologistes, puis les chirurgiens oncologues. La question survient souvent, je vais voir la radiothérapie, est-ce que je peux voir quand même une reconstruction? Puis la réponse, c'est oui. Puis dans ma pratique, à moi, 90 % des femmes ont des reconstructions immédiates, ou même plus. Puis la plupart de ces femmes-là vont voir la radiothérapie, parce qu'aussitôt qu'on a un ganglion positif, il y a une référence qui est faite en radio-onco, puis peut-être qu'il y a la radiothérapie. Fait que ce n'est pas une contre-indication. La seule vraie contre-indication, je dirais, une reconstruction immédiate, c'est un cancer inflammatoire, quand la peau est touchée. Parce que nous, dans le fond, on garde la peau, on vide l'intérieur. Mais si la peau, il y a des cellules cancéreuses, même avant la chimiothérapie, dans la peau, mais à ce moment-là, on ne peut pas garder la peau parce qu'il y a un risque de récidive au niveau cutané. Fait que c'est vraiment le contre-indication. Je voulais juste vous montrer quelques slides de photos. Fait que quand il y a une mastectomie pour cancer, puis on enlève le complexe allomamelanaire, comme on voit à droite, là, en fait à gauche, vous voyez qu'on a une ligne transverse. Donc, on ne peut pas faire l'incision au niveau du pli mammaire inférieur parce qu'il faut enlever le mamelon. Puis on voit les patientes qui font des tatouages, puis ça peut être vraiment très joli et artistique. Et donc, je voulais juste vous montrer aussi, quand il y a un Dieppe,
Donc, mastectomie unilatérale avec un dièpe. C'est assez récent parce que les cicatrices sont encore enfoncées. Puis de l'autre côté, on voit la différence entre une mastectomie prophylactique. La patiente a eu une mastectomie bilatérale. Un côté, donc, on a gardé le mamelon parce qu'elle avait un gène, une mutation de gène. Puis l'autre côté, elle avait un cancer proche du mamelon, donc on l'a enlevé. Donc, c'est ça la différence en termes des cicatrices. Et si la patiente ne souhaite pas être reconstruite tout de suite, comment ça se passe? Et qu'est-ce qu'elle peut choisir et est-ce qu'elle peut changer d'idée plus tard? C'est drôle parce qu'ici, au CHUM, on a tellement une belle équipe de collaboration que on dit, bien, là, voulez-vous une reconstruction? Fait qu'on est très enthousiastes. Fait que les patientes nous disent des fois non, ça ne m'intéresse pas, puis je ne veux pas, puis il faut vraiment respecter leur décision. Puis à l'extérieur du CHUM ou dans des plus petits centres, souvent c'est l'opposé, la patiente doit demander. Le médecin dit non, on ne fera pas de reconstruction. Puis là, c'est l'opposé, la patiente désire une reconstruction. Fait que vraiment, c'est un choix très personnel. Fait qu'il ne faut pas se sentir poussé ni par le médecin, ni par le membre de la famille. Des fois même, les membres de la famille sortent de la salle, qu'on a une discussion avec la patiente tout seul là, pour vraiment comprendre les enjeux. Et ça peut être fait dans un deuxième temps aussi. Okay. Mais je ne sais pas, les plasticiens vont en parler, mais les cicatrices sont plus grandes hein, si on le fait dans un deuxième temps parce que toute la peau a été enlevée la première fois. Fait que je voulais juste mentionner le deuxième avis. On n'est pas frustré ou fâché quand vous demandez un deuxième avis. Hein. Je veux vous dire. Parce c'est que important des fois, de le dire. Oui, ça, c'est parce important. Que des fois, ils nous disent en cachette, est-ce que je peux demander un autre plasticien ou peut-être à vous, ils nous demandent, est-ce qu'on peut avoir un deuxième avis? Puis la réponse, c'est oui. Fait qu'il ne faut pas sentir poussé. Si vous voulez pas de reconstruction, c'est tout à fait correct. Puis il ne faut pas sentir mal à l'aise. Je voulais juste vous montrer des patientes, quand ils décident de ne pas avoir de reconstruction, c'est aussi détailler la discussion que quand les patientes veulent une reconstruction. Fait que les patientes, ça, c'est une patiente qui m'a envoyé des courriels avec des photos parce qu'ils vont sur l'Internet, ils regardent les différentes façons de faire les incisions. Ils nous montrent ça, puis ils nous disent, par contre, en plus, ils mettent des petites notes. Là, on les a enlevées sur les diapos, mais j'aime ça, j'aime pas ça. S'il vous plaît, si vous êtes capable de le faire, faites-le. Puis ça aide beaucoup le chirurgien. Fait que moi, je trouve que c'est très apprécié de la part du chirurgien si on est capable de le faire. Fait que ça, c'est une patiente avec une mastectomie complète qui ne voulait pas de reconstruction. Puis on voit, habillée, c'est très bien. Donc, je pense qu'il faut vraiment retenir pour les gens qui sont à la maison que le choix leur appartient, que vous êtes là pour les épauler. Et ça, c'est très rassurant de savoir que si on veut une seconde opinion, vous allez être ouvert à l'entendre. Ça, c'est fabuleux. J'avais une dernière question très rapide pour vous, Dr Boumeri. Mais je pense peut-être que Dr Patowska l'a un peu abordé. Mais si on m'enlève par prévention les deux seins, est-ce que je vais pouvoir garder mes mamelons? C'est une très bonne question. C'est sûr qu'on parle maintenant de mutation génétique, on ne parle pas de cancer. Les patientes sont jeunes, l'esthétique est très importante. On veut prévenir, enlever le sein et prévenir le cancer, mais on veut aussi rétablir l'esthétique autant que possible en évitant les complications. Donc, comme vous voyez, est-ce qu'on peut mettre la diapo, s'il vous plaît, à l'écran? Donc, on voit que l'effet de Angelina Jolie a été très positive chez nos patientes, jeunes patientes. Elles étaient encouragées à aller consulter et aller de l'avant pour la mastectomie et la reconstruction immédiate aussi. Comme Angelina Jolie a dit, c'est un bon choix pour elle, pour sa famille et pour elle aussi. Donc, c'est très important d'aller vers l'avant si vous avez fini vos familles pour faire la mastectomie préventive et la reconstruction immédiate ou non, selon vos choix. Donc, c'est certain qu'ici, au CHUM, on reconstruit encore immédiatement les mastectomies préventives par une incision, comme l'a dit Dr Patowski, une incision dans le pli du sein, pour garder le mamelon et aller reconstruire avec un implant immédiatement, avec une mèche dermique aussi. Et c'est surtout, comme Dr Patowski disait, on est une belle équipe, donc c'est une coopération au quotidien pour les patientes. On se parle tout le temps pour choisir les meilleures incisions qu'on va mettre et comment y procéder pour avoir le meilleur résultat esthétique. Donc on se parle tout le temps, les plasticiens et les chirurgiens, oncologues du sein, au CHUM, pour qu'on puisse donner le meilleur résultat. Donc, c'est certain qu'on voit les résultats. Les patientes sont jeunes. On voit toujours des cicatrices dans le pli du sein pour essayer de reconstruire immédiatement avec des implants. Le mamelon n'est pas touché et ça reconstruit vraiment très bien. Parfois, les patientes désirent avoir un peu plus ou un peu moins au niveau des seins. Donc, c'est toujours faisable. Donc, parfois, on a des patientes aussi jeunes que 24, 25 ans qu'on se fait reconstruire, puis elles demandent d'avoir un peu plus au niveau des seins. Donc, on met des implants un peu plus gros, mais on reconstruit toujours avec le moins de cicatrices possible visibles, que ce soit dans le pli du sein. Parfois, le challenge maintenant, on dit qu'on préserve de plus en plus les mamelons, c'est important. On a des jeunes patientes avec des seins qui sont un peu tombants, un peu plus gros, que les mamelons sont difficiles à garder parce qu'ils sont un peu loin au niveau du thorax et les seins sont trop gros. Comme a mentionné le Dr Patowski, on va procéder à une première chirurgie où on doit
redraper le sein, le réduire, le retourner à sa forme normale, un peu plus facile à enlever plus tard et reconstruire. Voici la patiente avant la réduction mammaire et le redrapage du sein en préparation à la mastectomie. Voici la deuxième slide où la patiente, après la réduction mammaire et le redrapage, est à droite où elle a eu la reconstruction et la mastectomie en même temps avec des implants. On voit que le résultat est merveilleux. Donc, on voit la patiente avant l'ablation préventive et après la reconstruction avec des implants et la mastectomie, mais en suivant deux chirurgies avant de faire tout ça. Une autre patiente aussi, on l'a préparée, elle avait des implants mammaires déjà à l'avance. Donc, on redrape. Par la suite, on enlève les seins et on reconstruit avec des implants pour essayer de garder le plus d'esthétique possible avec le moins de cicatrices possible. Donc, comme Angeline Jolie a dit, les gens me demandent ce que je ressens à propos de mes cicatrices. Je pense que nos cicatrices nous rappellent ce que nous avons surmonté et il faut aller vers l'avant. Il ne faut pas hésiter à consulter, à aller vers l'avant, vers la prévention. Merci. Merci beaucoup, Dr. Boumri. Ce que je retiens vraiment, c'est la collaboration, cet esprit d'équipe-là et le fait de mettre la patiente vraiment au centre de vos préoccupations. Docteur Provencher, Docteur Patowski, Docteur Boumri, merci. On prend une courte pause et on vous revient et on va parler de reconstruction. Plusieurs services infirmiers sont disponibles au CHUM pour soutenir ces patientes tout au long de leur parcours. Des infirmières pivots en oncologie et une infirmière praticienne spécialisée sont là pour vous. Nous avons également une infirmière en oncologie et infirmière ressource pour la reconstruction mammaire. Sans oublier notre centre de triage téléphonique du CICC pour les patientes suivies par les oncologues médicaux. Et notre coffre qui contribue à assurer l'accessibilité, la fluidité et la continuité des soins et services. Le CHUM est là pour vous. Voici rendu au segment où nous allons discuter de mastectomie partielle avec oncoplastie. Docteur Boumri, nous avons de nouveaux spécialistes avec nous. Pouvez-vous nous les présenter? Eh bien oui, on est chanceux. Donc, je me trouve et on se trouve en compagnie d'excellents spécialistes en la matière. Docteur Rami Younan, chirurgien oncologue du sein au CHUM et Docteur Christina Bernier, chirurgienne plasticienne au CHUM. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Donc, allons-y, Lynn, sans trop tarder. Donc, première question. Pour vous, Dr. Bernier. Alors, si on enlève plus de seins qui étaient prévus au départ, est-ce que la chirurgie risque de le déformer? Et le cas échéant, comment éviter qu'une déformation arrive justement avec une mastectomie? Avant de passer à ça, Aline, je dois t'interrompre. On va parler un peu avant de déformer le sein. Docteur Younan peut enlever la tumeur sans déformer le sein et sans avoir recours au plasticien. Oh, d'accord. Donc, Docteur Younan, je m'adresse à vous. Bonsoir, Joseph. Donc, lorsqu'une patiente découvre qu'elle devra subir une chirurgie pour enlever une petite tumeur cancéreuse au niveau du sein et qu'elle garde la majorité du sein que vous expliquez à la patiente, on parle de mastectomie partielle. En quoi consiste cette chirurgie? Est-ce qu'elle devra avoir de la radiothérapie en post-opératoire? OK. Alors, bonsoir à tous. Avant de commencer, on va parler de la mastectomie partielle. Comme tu sais, Joseph, puis Christina aussi, et les gens qui nous écoutent à la maison, la mastectomie partielle rejoint à peu près 70 à 80 % des patientes. Donc, c'est la procédure la plus commune qu'on fait pour un cancer du sein. Donc, c'est uniquement enlever la tumeur avec une marge de sécurité. Donc, on le rappelle aux patientes, c'est sûr que nous, au CHUM, on est une grosse équipe, on est biaisé un peu, on reçoit des cas plus complexes où on a plus de mastectomie totale, mais ça reste que dans la majorité des cas, on fait la mastectomie partielle et donc la tumorectomie seulement. Je veux remercier d'abord, avant de continuer, vraiment toutes les équipes au CHUM de cette année, tout le support qu'on a eu de la direction, Joseph, tu le sais, notre chef de département aussi avec la COVID, tout ce qu'on a eu. Ça a été très difficile pour tout le monde, mais tout le monde a mis la main à la pâte pour que les listes d'attente restent raisonnables, pour qu'on puisse continuer pour traiter nos patientes et les mettre au centre de nos préoccupations. Je reviens à la mastectomie partielle, donc 80 % des patientes vont avoir une tumorectomie. C'est fait en chirurgie d'un jour. Rappelez-vous, les dames, nos patientes à nous, que vous rentrez le matin ou partez le soir. Donc, c'est une petite chirurgie qui dure à peu près une heure et quart. Alors, tout ce qu'on fait maintenant, la nouveauté en 2021, c'est qu'on fait tout pour éviter la déformation du sein.
Les cicatrices sont plus grandes, Joseph, on le sait maintenant, mais avec une plus grande cicatrice, on est capable de moins déformer le sein en amenant du tissu aux alentours, c'est ce qu'on appelle l'oncoplastie, pour combler la cavité. On est capable de faire une mastectomie partielle chez les patientes qui ont une tumeur qui mesure moins de 20 à 25 % du sein. C'est encore une fois relatif, dépendant du bonnet qui est un B, un C ou un D. Et donc, lorsqu'on a plus qu'une tumeur dans le même cadran, on est quand même capable de faire une mastectomie partielle. Donc, ça rejoint la majorité de nos patientes. L'oncoplastie, pour le faire schématiser, regardez le schéma ici, c'est qu'on est capable d'aller enlever la tumeur, voyez-vous le vide sur la deuxième photo de droite, et par la suite, en mobilisant les tissus autour, de ramener les tissus ensemble pour éviter le vide qui cause la déformation. Et qui dit vide, dit après radiothérapie un mauvais résultat esthétique, et c'est pour ça qu'en 2021, il faut éviter à tout prix le vide au niveau de la mastectomie. La radiothérapie, oui, c'est nécessaire pour 90 % des patientes parce qu'il y a 30 ans, on faisait des mastectomies totales à tout le monde. Et on a eu la démonstration depuis au moins 30 ans. Une des avancées en cancer du sein, c'est que maintenant, on fait la mastectomie partielle, mais on donne de la radiothérapie après l'opération pour éviter ou plutôt réduire la récidive locale dans le sein. Ça se donne 4 à 6 semaines après. Et tout ce qui se passe en cancer du sein en 2021, on appelle ça une désescalade des soins. La radiothérapie se donnait à tout le monde 20 à 25 séances. Et maintenant, les séances sont de 5 à 15 et exceptionnellement 20 séances. Donc, il y a une désescalade des soins à l'avantage de la patiente pour préserver le maximum au niveau de la fonctionnalité. C'est un radio-oncologue qui rencontre la patiente et qui lui propose des traitements. Parfait. Docteur Yunan, certaines patientes pourront avoir de la radiothérapie en même temps que la mastectomie partielle dans la même journée. Une première et une nouveauté au CHUM. Pouvez-vous nous en parler et quelles sont les indications? Alors, Joseph aime tout le temps parler de nouveautés au CHUM. À toutes les années ou les deux années, on en a une de plus. Et malgré la pandémie, malgré le COVID, on a eu la visite de l'équipe de Radio-Canada l'année passée parce qu'au mois de, il y a quelques mois, on a été les premiers au Canada à avoir un appareil de radiothérapie intra-opératoire à base d'électrons. L'appareil est actuellement en train d'être recalibré aux États-Unis. On a été le seul hôpital au Canada à l'avoir pendant 2 mois et on va le revoir de nouveau à partir du mois de janvier prochain. Donc, il y a eu le support de l'institution. Il y a eu le support des médias qui ont voulu absolument venir. C'était la seule équipe qui a visité le bloc opératoire du CHUM. Et effectivement, que c'est une technique nouvelle qui ne touche pas toutes les patientes. Il faut que ce soit de petites tumeurs, pas agressives, chez des patientes de plus de 50 ans. Rappelez-vous que qui dit nouveau dit un peu plus expérimental et dit aussi ne pas prendre aucun risque avec nos patientes. Donc, les balises internationales pour la technique, c'est des patientes de plus de 50 ans qui ont des tumeurs de moins de 2 cm avec une biologie ou une tumeur qui n'est pas agressive. Et donc, quand on est capable de les sélectionner, on va être capable de les traiter avec cet appareil-là qui dure 6 minutes au lieu de 5 à 10 à 15 séances en post-opératoire. Mais ce n'est pas pour tout le monde et l'appareil va être disponible probablement à partir du mois de janvier prochain à nouveau. Il est en train d'être recalibré en Californie et on a fait toute la formation pour être capable de l'utiliser ici au CHUM. Merveilleux, quelle belle nouvelle. Une petite, encore une fois, en parlant de nouveauté, je vous montre l'appareil en salle d'opération. Puis ce n'est pas vraiment nouveau seulement au CHUM. Monsieur Biden, le président Biden aux États-Unis, a visité un des centres à Cleveland, à Ohio, qui venait d'avoir l'appareil en 2021. Donc, ça fait vraiment révolution un peu partout aux États-Unis. Puis on est chanceux au CHUM d'avoir l'appareil qui va être retourné à l'institution en janvier prochain. Merci. Merci. Merci à vous. Docteur Bernier, je reviens vers vous finalement. Vous connaissez déjà la question, mais comment évite-t-on lors d'une mastectomie partielle la déformation du sein? En fait, Docteur Yunan en a un peu parlé, mais quand c'est des plus grosses tumeurs qui sont enlevées, souvent ils vont faire appel à nous pour faire une oncoplastie. Donc, l'oncoplastie, comme il l'a dit, dans le fond, le principe, c'est vraiment de mobiliser le reste du sein pour combler le creux qui serait laissé si on faisait juste enlever la tumeur. Donc, vous voyez à gauche, la tumeur est enlevée dans la portion supérieure du sein, puis on va vraiment remonter le sein pour combler le déficit. Donc, oncoplastie, ça veut dire vraiment combinaison des principes oncologiques avec des techniques de chirurgie plastique. Puis, vous voyez ici, dans le fond, ce dont Dr Yunan parlait, c'est qu'on veut vraiment faire la prévention. Si cette patiente-là elle a eu une grosse tumeur qui a été enlevée sans oncoplastie, puis elle a vraiment un déficit qui est
pas joli. Donc, l'oncoplastie vise à prévenir ces déformations-là. Alors ici, vous voyez une patiente qui avait à droite le petit marqueur rouge, c'est sa tumeur. Elle a eu une oncoplastie. Vous voyez qu'elle a un résultat qui est très acceptable, qui ressemble un petit peu à une réduction mammaire. Une autre patiente avec de plus gros seins, la même chose, une tumeur dans le cadran supérieur de son sein, une oncoplastie avec un résultat qui est très, très acceptable. Puis la même chose. Donc, vous voyez que peu importe où la tumeur est située dans le sein, on peut faire une oncoplastie puis avoir des résultats qui sont très jolis. Patiente un petit peu plus âgée, la même chose, c'est des techniques qui peuvent être faites facilement chez toutes les patientes. Donc, à qui s'adresse l'oncoplastie? Comme l'a dit Dr Younan, c'est des patientes qui peuvent avoir une mastectomie partielle au point de vue oncologique. C'est des patientes qui vont avoir une résection de 20 % ou plus du volume de leur sein. Ça prend quand même un bon sein, parce que si on a un petit sein, on ne pourra pas faire l'oncoplastie. C'est des patientes idéalement qui sont non-fumeuses, puis ça prend surtout aussi une coordination entre l'équipe de chirurgie plastique et l'oncologie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une chirurgie qui est très courte. Ça va prendre 2-3 heures. C'est une chirurgie d'un jour. Après une semaine, on revoit nos patientes, on enlève le pansement, puis ils sont habituellement retournés aux activités après 4-6 semaines. Il y a très peu de complications, donc il peut y avoir dans certains cas une diminution de sensibilité au niveau du mamelon. Il y a bien sûr des cicatrices. Des fois, on peut avoir une petite asymétrie, des infections, des saignements, mais c'est très, très rare. Vraiment de belles réalisations. Je vous remercie à tous les deux. Je pense que ça laisse énormément d'espoir. Et nous, on va prendre une courte pause et on va revenir avec la reconstruction, pas la reconstruction, mais la mastectomie totale, un sujet également pour lequel vous avez beaucoup de questions. Merci. Merci grandement d'avoir été là. Merci. Clearpoint Medical est une compagnie montréalaise dédiée à la conception, fabrication et distribution de vêtements de compression post-chirurgicaux, dont les gaines et soutiens-gorge utilisés lors d'une reconstruction mammaire. Nous vous invitons à consulter notre site clearpointmedical.ca pour vous familiariser avec notre gamme de produits compressifs. Vous pouvez toujours nous rejoindre par courriel ou par téléphone. Clearpoint Medical est fier partenaire de la soirée. Bravo! Nous allons maintenant aborder un sujet très intéressant et très important, les différentes options qui s'offrent en reconstruction mammaire. Et de ce que je comprends, beaucoup de femmes se sentent mal informées et ont beaucoup de questions. Donc, c'est le temps d'y répondre aujourd'hui. Certainement, Lynn. Donc, vous avez bien raison, c'est un sujet qui est peut-être mal compris avec beaucoup d'informations pas complètes ou erronées. Avec mes collègues spécialistes du CHUM, on va tenter de clarifier le tout aujourd'hui. Donc, pour cette partie, il y aura pour débuter moi-même, mon collègue Dr Alain Gagnon, chirurgien plasticien au CHUM, et Mme Lynn Raymond, qui est patiente du CHUM, qui va nous expliquer son choix de chirurgie. Par la suite, les autres membres de l'équipe de reconstruction mammaire du CHUM, la Dr Christina Bernier, Dr Michel-Alain Danino et Dr André Audebescu vont compléter le segment. J'ai une première question, et c'est pour vous, Dr Boumry. Donc, lorsque l'ablation complète est recommandée et que la patiente désire des implants mammaires, comment on sait s'il va y avoir des expanseurs ou juste une correction? Dites-nous un petit peu la réflexion derrière ça. C'est une bonne question, Lynn, parce que parfois, les patientes, on leur dit qu'on va faire deux chirurgies, elles sont fâchées, puis elles veulent juste une seule chirurgie. Donc, juste, j'ai mis un peu l'extrême sur cette diapo. Les petits seins, quand on les enlève, il n'y a pas assez de peau, il faut mettre un expanseur. L'expanseur, c'est une prothèse en eau saline qui va être mise la journée de la chirurgie, au même moment que la mastectomie, qui sert à étirer la peau et préparer la cavité pour mettre dans une deuxième chirurgie l'implant. Donc, quand on a des petits seins, on enlève le sein au complet, on n'a pas assez de peau pour fermer, il y aura de la place pour mettre l'expanseur.
on a parfois l'autre extrême où des patientes avec des gros seins, où parfois c'est très dangereux de mettre un implant d'emblée parce que c'est trop de peau non plus, c'est pas bon non plus. Donc parfois on veut mettre un expanseur pour que la peau revienne à sa forme normale un peu, pour ne pas être obligé de mettre de très gros implants aussi. Donc dans les deux extrêmes, le chirurgien plasticien expert du CHUM va décider quand est-ce qu'il va mettre un expanseur ou non pour faire deux chirurgies. Les deux chirurgies se font en deux étapes. Donc la première étape, c'est de mettre l'expanseur en dessous du muscle pectoral, le muscle du thorax, au même moment que la mastectomie qui est posée. Et ceci permet de d'étirer graduellement la pochette avec de l'eau saline, du sérum physiologique, à chaque semaine au CHUM, afin de préparer la cavité. Donc voici ce qu'on fait à la chirurgie, ça fait pas mal. Donc on fait l'expansion avec une aiguille à travers la peau. Les seins sont déjà mastectomisés, donc ça fait pas mal. Donc ça se fait à chaque semaine afin de remplir tranquillement la cavité pour faire de la place à l'implant. Donc une fois que la cavité est préparée, 3 mois, 4 mois, dépendamment des traitements complémentaires de la patiente, on va mettre un implant dans une deuxième chirurgie d'une journée. C'est aussi simple que ça et on va remplacer l'expanseur par un implant. Donc, avant de retourner, donc, voici la patiente qui a été reconstruite avec un expanseur et par la suite avec des implants. Et on a reconstruit le mamelon par la suite. Une autre patiente avec les gros seins, on met les expanseurs en place afin que la peau se remasse un peu plus petite, les seins soient plus petits. Et par la suite, on remplace par une autre chirurgie avec des implants et on reconstruit les mamelons par la suite. Voici une autre patiente où on avait mis, les seins étaient tombants un peu, elle voulait garder les mamelons. Donc on a gardé les mamelons, mais on a mis des expanseurs au début, le temps que la peau soit bien placée. Et à la deuxième chirurgie, on met les implants afin de corriger la position des mamelons pour ne pas éviter une inégalité au niveau des mamelons. Donc chirurgie en deux étapes afin de mieux gérer la symétrie et l'égalité au niveau des seins. Une autre patiente aussi, on a fait la mastectomie par une incision dans le pli du sein. On a mis des expanseurs, étiré la peau et par la suite, on met les implants à la bonne place. Voilà, merci. Merci grandement. Là, on a parlé d'expanseurs pour justement et d'implantation. Si je ne veux pas d'implant, si moi, j'ai envie, je n'ai pas envie d'avoir un corps étranger, à l'intérieur de mon corps, qu'est-ce que je peux faire? Docteur Gagnon, la question est pour vous. J'ai entendu parler du DIEP. Donc, pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est, les conséquences? Effectivement. Donc, il y a des possibilités de reconstruction sans utiliser des corps étrangers. Et il s'agit donc d'utiliser les tissus de la patiente qui sont là, donc qui ne nécessitent pas d'être changés éventuellement. Donc, ils sont permanents. Donc, ça, c'est un grand avantage. Si on veut juste commencer par le début, donc la reconstruction mammaire, en gros, peut être séparée en immédiate ou tardive. Au CHUM, on fait la vaste majorité de nos reconstructions de façon immédiate, ce qui fait que c'est une seule chirurgie, une seule anesthésie, une seule convalescence pour la patiente. Tardive, ça serait dans un deuxième temps, lorsqu'on ne peut pas reconstruire immédiatement. Parfois, dans certains centres au Québec, on ne peut pas. Mais les deux options sont toujours possibles. C'est ça, exactement. Et puis, les prothèses et les lambeaux peuvent être faites soit immédiates ou tardivement. Au niveau de la reconstruction mammaire, on peut aussi la classifier selon le type de reconstruction, selon ce qu'on utilise, soit les expanseurs et implants, qui sont dans la catégorie des prothèses, ou soit avec les tissus autogènes, c'est-à-dire les propres tissus de la patiente. On va discuter ici du lambeau Dieppe, qui est le lambeau abdominal qu'on pratique ici, qui, d'après moi, est à peu près l'étalon d'or là, de la reconstruction mammaire actuellement, de par ses qualités. Donc, le lambeau Dieppe, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va aller chercher le petit excès de graisse qu'il y a au bas-ventre. Souvent, les patientes qui ont eu un cancer du sein ont déjà eu des enfants, donc un petit excès de peau et de graisse qu'on peut utiliser. Et puis, on va transférer ça au niveau du thorax pour pouvoir sculpter un sein à partir de ces tissus-là. Ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, parce qu'en réalité, on ne peut pas transférer un bloc de graisse comme ça et ne pas le vasculariser, parce qu'il va nécroser, il va mourir. Donc, on doit, à ce moment-là, aller chercher un des vaisseaux qui nourrit cette graisse-là au niveau de l'abdomen. On va l'extraire du muscle grand droit et puis on le coupe. Donc, on transfère notre bloc de graisse et les vaisseaux qui rentrent dedans. On emmène ça au niveau du thorax. Et puis là, à l'aide d'un microscope, on va reconnecter l'artère et la veine sur une source de sang au niveau du thorax. Donc, c'est une opération qui est un petit peu plus minutieuse que les implants parce qu'il y a de la microchirurgie qui est impliquée. Donc, quels sont les avantages de la reconstruction autogène? Rapidement, bien, c'est un résultat qui est plus naturel. C'est les propres tissus. C'est une texture qui est très similaire au sein natif.
Et puis, de plus, ça peut être sculpté selon les besoins. C'est-à-dire qu'on peut tailler un petit peu là, mettre un point de suture là, pour vraiment avoir un résultat très personnalisé. Ce qu'on ne peut pas faire avec les implants, malheureusement. Ce sont des tissus vivants, donc ce que ça veut dire, c'est que ça tolère bien le territoire qui est irradié. Donc, s'il y a eu de la radiothérapie dans le passé, souvent les implants vont avoir des complications, mais avec le lambeau Dieppe, on n'a pas ces complications-là. Ça évite l'usage d'un corps étranger qui doit être changé après 10, 15, 20 ans parce qu'il est rupturé, parce qu'il est dur. Et c'est très définitif et durable, c'est-à-dire que c'est pour le reste de la vie. Et puis, en fait, ça s'améliore avec le temps parce qu'il va tomber un peu comme l'autre sein. Si la personne prend un peu de poids, ça va prendre du poids, l'autre, comme l'autre sein d'ailleurs, donc c'est très naturel. Et voilà. Puis finalement, le dernier avantage, c'est une amélioration du contour personnel parce que souvent, les patientes sont contentes aussi de se débarrasser de ce petit excès. Au niveau des inconvénients, bien, c'est une opération qui est plus longue, une hospitalisation plus longue. On ajoute un site donneur à l'opération. Donc, non seulement il y a une douleur au niveau du thorax, mais une douleur au niveau de l'abdomen. C'est une cicatrice additionnelle qui peut compliquer, qui peut ouvrir, mal guérir, etc. Puis il y a des complications qui sont particulières au Dieppe. Et ça, on va parler de thrombose, par exemple. Dans ces petits vaisseaux-là, qui sont minuscules, on parle de 2 mm environ, il peut se former un petit caillot. Puis là, la circulation peut arrêter dans le lambeau. Puis si on n'est pas capable de déboucher ça, on peut perdre le lambeau. Donc, c'est environ 2 % des lambeaux qui sont perdus comme ça. Particulièrement pour le Dieppe, bien, on parle d'une durée de 5 à 6 heures pour la salle d'opération. C'est certain que si on fait les deux seins, c'est plus long. C'est au moins 8 heures. L'hospitalisation, 4-5 jours, même 3 à 4 jours. Maintenant, on a réussi à réduire un petit peu notre temps d'hospitalisation. On l'a dit tantôt, la qualité de la graisse est semblable au sein natif. Le site donneur est discret. Une fois que c'est guéri, l'incision est assez basse et souvent peut être dissimulée dans les sous-vêtements. Alors, on va voir quelques exemples ici. Ça, c'est avant l'opération. On voit qu'il y a eu une mastectomie du sein droit. Et avec la reconstruction, on a dû ajouter de la peau et non seulement de la graisse, parce qu'ici, la patiente avait eu une excision de peau, donc il manquait de la peau pour pouvoir avoir une forme similaire au côté gauche. Ici, un autre exemple où on a reconstruit le sein gauche, encore une fois, une reconstruction secondaire et non pas primaire. Donc, on a dû installer une bonne surface de peau. Un autre exemple ici, c'est le sein droit. Donc, on voit qu'on est capable d'obtenir des formes qui se ressemblent, une texture qui se ressemble. Les patientes sont bien satisfaites. Un autre exemple, finalement, ici, dans ce cas-ci, on a seulement remplacé la région qui est autour de l'aréole du sein gauche avec la peau de l'abdomen parce que c'était ce qui était enlevé lors de la mastectomie. Donc, le plus possible, on essaie de conserver la peau pour avoir un résultat esthétiquement le plus plaisant possible. Et encore une fois, vous êtes là pour accompagner chacune des étapes et répondre aux questions des patientes. Tout à fait. Alors, on prend le temps qu'il faut avec les patientes pour répondre à toutes leurs interrogations. C'est important d'être bien renseigné avant ces chirurgies-là parce qu'on s'embarque dans quelque chose. Et nous, on forme une équipe ensemble. Sans trop tarder, Dr. Gagnon, il y a une patiente qui nous demande, est-ce que je dois arrêter la cigarette avant de subir le Dieppe? Quelles sont les complications à la cigarette? Ah oui, la cigarette et en même, j'irai plus loin, toute forme de nicotine, que ce soit le vapotage qui est très à la mode actuellement, les patchs de tabac, la gomme de nicotine. Il faut arrêter toute source de nicotine parce que la nicotine, c'est un agent qui est vasoconstricteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les petits vaisseaux dans la peau vont rapetisser sous l'effet de la nicotine, vont faire en sorte qu'il y a moins de sang qui va circuler dans la peau. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? C'est parce que nos opérations en chirurgie plastique, souvent, il y a un décollement important de la peau. Donc, déjà, on coupe des vaisseaux sanguins qui nourrissent la peau pour les fins de notre opération. Donc, si en plus de ça, on surajoute l'effet de la nicotine, ce qui peut arriver, c'est qu'on va avoir à ce moment-là une partie de la peau qui va avoir juste pas assez de perfusion sanguine, puis risque de nécroser. Donc, avec des catastrophes importantes, catastrophiques, parce que si la peau nécrose, puis il y a un implant en dessous, bien là, on va être obligé d'enlever l'implant, on doit recommencer tout à zéro. Et si une patiente est fumeuse, est-ce qu'elle doit arrêter? Est-ce qu'elle a un temps où oui, elle peut arrêter et par la suite subir la chirurgie? Oui, effectivement. Donc, on recommande un arrêt de nicotine de 6 à 8 semaines au minimum. Okay. Ce qui n'est pas toujours possible parce que lorsqu'il y a un cancer, des fois, le temps presse. C'est ça. Très bien.
Merci grandement, Dr. Gagnon, Dr. Boumri, toujours un plaisir. On va prendre une courte pause et au retour, c'est un beau témoignage qui vous attend. Je serai en compagnie de Mme Lynn Raymond. Restez des nôtres. La Fondation du cancer du sein du Québec, c'est la plus belle équipe, une équipe de cœur, puis on est là pour vous soutenir. Tel que promis, nous sommes de retour et je suis en compagnie de Mme Lynn, le même nom que moi, Lynn Raymond. Mme Raymond, bonsoir. Bonsoir. Très contente de faire votre connaissance. Je suis convaincue que les femmes qui nous écoutent seront enchantées de connaître votre histoire. Alors, parlez-moi de votre parcours. Oui, en fait, c'est tout récent. J'ai eu mon diagnostic en décembre 2020. Donc, en pleine pandémie. En pleine pandémie. Oui, et puis, c'est suite à une mammographie de routine mais j'avais l'habitude de toujours avoir des kystes, mais là, c'était pas un simple kyste, c'était un cancer. Alors, la journée, le 2 décembre, je m'en rappellerai, on s'en rappelle toute notre vie, hein? Oui. J'ai rencontré la chirurgienne oncologue qui m'a annoncé ça, et rapidement, étant donné la grosseur de la masse, et le fait que j'ai une petite poitrine, mais il fallait procéder à une mastectomie totale. Donc, immédiatement, elle me dit « Ah, je vais aller voir si le chirurgien plasticien est là, on pourra peut-être vous rencontrer tout de suite, puis on pourra voir ce qu'on peut faire avec vous. » Alors, j'ai attendu même pas 5 minutes, là, ça a été super vite, là, ça a été rapide. Donc le chirurgien oncologue, le chirurgien plasticien m'ont parlé, ils m'ont regardé, ils m'ont proposé… le Dieppe, là, c'est sûr que, pour moi, c'était tout nouveau. Là, beaucoup de choses en même temps. J'étais sous le choc, hein, de toute façon. C'était comme une grosse tonne de briques que j'apprenais, là. Oh my God! Et donc, mais on m'a expliqué tout ce que ça consistait. Et on m'a proposé d'aller voir justement des présentations de bravoure pour aller écouter des témoignages. On m'a remis plein de fiches santé. Ça a été merveilleux. Je pense que je les ai regardées au moins chacune des fiches 10 fois, si c'est pas plus. Et vous savez que les fiches santé sont sur notre site web, oui. Donc les gens peuvent y avoir accès aussi. Oui, donc les fiches santé, ça parlait du Dieppe, des implants, lambeau, ça parlait de tout, ça parlait du avant, du pendant, du après. Donc, et c'est là que j'ai, en fait, j'ai rencontré le chirurgien, la chirurgienne oncologue et le chirurgien plasticien, je me suis vraiment sentie en confiance. Donc, c'est précieux. Puis c'était le 2 décembre, hein, puis c'était urgent. Donc, ils m'avaient déjà programmé. Ils m'ont dit au début, après les fêtes, au début janvier, on va faire ça. Alors, donc, vous aviez toutes les informations en main pour prendre la décision qui était la meilleure pour vous. Oui. On peut s'attendre à ce que, et Dr. Gagnon le mentionnait, que ça peut être difficile la récupération avec un Dieppe parce qu'il y a 2 cicatrices, entre autres. Oui. Donc, comment ça s'est passé pour vous? Étant donné que ma chirurgie était prévue pour le début janvier, moi, je suis une sportive. Alors, je cours, je fais du ski, du ski alpin, du ski de fond. Alors, les 2 semaines, c'est les 2 semaines de Noël. Des fêtes, donc j'ai fait du sport à tous les jours. Donc, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'état d'esprit. Donc, je me suis lancée là-dedans. J'étais avec mes enfants. Donc, ça aussi, de passer... Donc, on était dans une bulle. C'est ma fille qui s'occupait de moi pendant la convalescence.
Donc, on était une bulle. Et puis, donc, c'est comme ça qu'on se prépare parce que c'est très difficile. Les deux semaines avant la chirurgie et les deux semaines après la chirurgie, c'est difficile aussi parce que on est, premièrement, on est, c'est tout frais, puis on a de la difficulté à marcher. Là, les quatre jours à l'hôpital, là, c'est pas facile, mais on est bien supporté, on est bien accompagné. Mais c'est ça, c'est une grande cicatrice dans le bas du ventre, le sein, donc il faut faire attention. J'avais quatre drains, ça, c'était très pénible. Ça, je peux le dire, là, les deux semaines d'avoir quatre drains, il faut s'attendre à avoir des drains, ça aussi, là, le vider les drains, ça fait partie de... c'était les deux semaines. Les deux semaines après, là, c'était quelque chose. Là. Mais ce que j'entends dans votre voix, c'est que vous ne regrettez non. pas du tout pas le du choix tout. Que vous avez fait. Non, non, non. Puis j'ai la chance de travailler pour La Vie en rose. J'ai participé à un photoshoot pour notre produit, pour la mastectomie. Puis ça a mis un bon... Je pense que j'en étais fière. Et puis là, aujourd'hui, je vais très bien. Je suis très fière. Même le sein, étant donné que c'est naturel, le sein est naturel, c'est beau. Je suis même fière de le montrer à mes amis. Alors, j'ose leur montrer. Bien, c'est notre vie hein, qui oui, se dessine sur notre corps, puis c'est oui, important. Tout à fait. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux femmes qui nous écoutent pour les aider à prendre une décision qui soit la bonne pour elles? Je pense qu'il faut s'écouter, il faut prendre la meilleure décision pour nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux. En fait, moi, j'ai vraiment, c'est la confiance en la science, confiance à la chirurgienne oncologue et aux chirurgiens plasticiens. Ils m'ont vraiment mis en confiance, toute l'équipe aussi, hein. Donc, chacune doit prendre sa décision selon ce qu'on ressent. Mais pour moi, ça a été la meilleure décision. Je suis très contente. Aujourd'hui, puis ça fait pas longtemps. Hein? Non, ben non. Alors, c'est tout récent. Je suis très, très, très même contente. Même pas un an, finalement. Ça fait même pas un an. Non, la chirurgie a eu lieu le 4 janvier 2021. Et vous continuez à faire du sport? Toujours. Oh oui, ça, c'était ma hantise de ne pas être capable de courir. Et en fait, j'ai commencé à faire du ski après 8 semaines. Donc, je pense que c'est important. J'ai fait du ski alpin et j'ai commencé à courir un petit peu. Bien, j'ai commencé à marcher. J'ai marché quand même assez rapidement. Dès que j'ai pu de drain, là, je suis allée marcher. Je marchais tous les jours et j'ai commencé à courir à peu près, je dirais, début avril. Fantastique. Oui. Quelle belle histoire. Merci beaucoup, Mme Raymond. Ça me fait plaisir. Merci vraiment. Alors, on prend encore une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Merci de rester là. Nous revoici en direct. On va vous parler encore une fois des suites d'autres façons qu'on peut faire reconstruire un sein après les seins aussi après une mastectomie totale ou partielle. Alors moi personnellement, j'en apprends énormément ce soir. Et je pense que je vais continuer à en apprendre. Donc, on est bien entouré, encore une fois, Dr Boumri. Présentez-nous nos nouveaux intervenants. Bien, Dr Bernier qui est de retour. C'est ça. Bien sûr, avec plaisir, Lynn. Donc, nous allons retrouver mes autres collègues de l'unité de reconstruction mammaire du service de chirurgie plastique du CHUM. Il y a Dr Bernier qui est là, Dr Alain Danino, notre chef de service. Et en deuxième partie, on va voir Dr Andrei Odebescu qui va nous parler du traitement chirurgical de l'emphydème. Donc, sans trop tarder, je vais poser la question à Dr Bernier. La patiente demande, elle a eu une ablation complète de son sein il y a 2 ans, suivie de chimio et radiothérapie. Et vu la radiothérapie, son chirurgien lui a informé qu'elle ne peut pas être reconstruite avec un expansard ou un implant à cause de la radiothérapie.
Il lui a recommandé l'utilisation des propres tissus à la patiente. Elle a dit qu'elle a eu une abdominoplastie, donc le tablier abdominal pour le DIEP n'est plus là. Donc, docteur Benny, quelles sont les autres options si on va utiliser les autres propres tissus de la patiente? On m'a parlé du lambeau du dos, le grand dorsal. Pouvez-vous nous éclairer sur cette chirurgie? Quels sont les points à considérer? Est-ce qu'il y aura une limitation de mouvement? Est-ce que la récupération est longue? Docteur Benny. Alors, le grand dorsal, c'est notre deuxième choix. Comme Joseph l'a dit, chez les patientes qui ont besoin de tissus puis qui ont eu une abdominoplastie, c'est vers ça qu'on va se tourner. Alors, c'est un muscle, c'est un lambeau qui vient du dos, puis le lambeau va contenir le muscle grand dorsal, qui est le muscle que vous voyez en rose sur le diagramme, puis une pastille de peau. C'est un lambeau qui est pédiculé, donc contrairement au DIEP, les vaisseaux vont rester attachés, puis on va passer le lambeau du dos dans un petit tunnel sous l'aisselle vers le sein. Donc, on va ramener la peau et le muscle devant pour faire notre construction. Les indications du grand dorsal, il y en a deux principales. On peut l'utiliser soit pour les reconstructions immédiates ou pour les reconstructions retardées. Pour les reconstructions immédiates, ça va être notre deuxième choix, comme je l'ai dit, après le DIEP, dans les cas où les chirurgiens oncologues vont enlever beaucoup, beaucoup de peau ou dans les cas où la patiente a déjà eu de la radiothérapie. Pour la reconstruction retardée, comme la patiente dont Joseph nous parlait, c'est une patiente qui a déjà eu une mastectomie, qui a de la radiothérapie. Donc, le grand dorsal va être une solution pour ça. C'est aussi un lambeau qu'on va utiliser beaucoup chez des patientes qui ont eu une mastectomie partielle avec une grosse déformation. Puis, ça va être notre lambeau de sauvetage, entre guillemets, pour des patientes qui ont des échecs de reconstruction, soit par implant ou par DIEP. Alors, vous voyez ici une patiente qui n'a pas d'abdomen parce qu'elle a déjà eu une abdominoplastie dans son pays. Elle a déjà eu à gauche de la radiothérapie et une mastectomie partielle. Puis, en plus, elle est BRCA. Puis là, elle se présente à nous parce qu'elle a une récidive de son cancer à gauche. Donc, comme elle a déjà eu de la radiothérapie, puis comme les chirurgiens oncologues veulent enlever beaucoup de peau, mais on a besoin d'amener de la peau, elle n'a plus d'abdomen, donc on a fait un grand dorsal. Dans le milieu, vous la voyez avec un implant des deux côtés, puis un grand dorsal à gauche, puis la photo complètement à droite, c'est lors d'une petite revision où est-ce qu'on a revisé ses cicatrices, puis on a fait d'autres petits ajouts, dont une reconstruction de mamelon. Ici, vous voyez une autre indication, donc une patiente qui a besoin d'une reconstruction retardée, qui est petite, qui n'a pas d'abdomen, qui a déjà eu de la radiothérapie. Donc, encore là, on va chercher de la peau au niveau du dos, puis on ajoute un implant pour donner du volume. Un cas un petit peu plus compliqué de reconstruction retardée encore, une patiente qui a encore une fois eu une abdominoplastie. On avait fait des implants, ça n'a pas fonctionné, donc on a fait un grand dorsal avec des implants. La patiente a eu des tatous pour camoufler un peu ses cicatrices, mais on voit les deux pastilles de peau du grand dorsal qui sont sur la portion inférieure de ses seins. Oups, pardon. Tantôt, on disait un échec à des implants. Donc ici, c'est une patiente qui a un expanseur en place avec une infection. Donc, on a utilisé un grand dorsal pour reconstruire. Donc, sur la photo du milieu, vous la voyez avec un grand dorsal plus un expanseur. Elle a encore ses drains. Ensuite, on a expandu la peau du grand dorsal. Puis après, on a changé l'expanseur pour une vraie prothèse avec sa reconstruction de mamelon. Puis, on disait aussi que le grand dorsal peut être utilisé dans les cas de patientes qui ont des déformations après des mastectomies partielles. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. Vous voyez encore une fois le petit morceau de peau du grand dorsal là, sur la portion inférieure du sein de la patiente. Les avantages du grand dorsal, c'est que c'est un lambeau qui est très fiable. Vu que les vaisseaux restent attachés, il n'y a pas de risque de thrombose, comme Dr Gagnon parlait pour le DIEP. Ça permet d'utiliser les prothèses, même s'il y a eu de la radiothérapie, puis c'est un bon moyen de corriger des déficits après des mastectomies partielles. Pour les désavantages, donc pour la question de Dr Boumery, ça nécessite une prothèse. Donc, on a un petit peu les désavantages liés aux implants et les désavantages liés au grand dorsal parce qu'on n'a pas beaucoup de tissu dans le dos. Donc, on a souvent pas assez de volume pour refaire un sein complètement. Le gros désavantage du grand dorsal, c'est pourquoi c'est notre deuxième choix après le DIEP, c'est le site donneur.
parce qu'on fait des cicatrices dans le dos de nos patientes. Contrairement au Dieppe, on leur fait une cicatrice, mais au moins, on leur donne un ventre plus plat. Au niveau du dos, on ne donne rien d'autre qu'une cicatrice. Les patientes peuvent avoir souvent des accumulations de liquide au niveau du dos. C'est toujours des choses qu'on va régler, mais ça peut nécessiter quelques visites à l'hôpital. Puis, au point de vue, souvent les patientes vont nous demander « qu'est-ce qui va arriver avec mon bras? Est-ce que je vais perdre la force? » Donc, l'amplitude, dans les études, l'amplitude articulaire, ça veut dire vraiment le mouvement, ça, c'est peu touché. Par contre, au niveau de la force de l'épaule, comme vous voyez, le 0 à 73%, c'est une très grande marge parce que les études ont des résultats très différents, mais souvent, les patientes vont perdre un petit peu de force au niveau de l'épaule. Puis, de manière plus importante, il y a plusieurs patientes qui vont nous rapporter des inconforts, soit des faiblesses, un problème d'amplitude, ça va affecter leurs activités sportives, parfois même l'activité de la vie quotidienne, parfois même le travail. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un lambeau parfait, mais pour nous, c'est quelque chose qui est quand même très utilisé puis très utile. Puis, en dernier lieu, ça dure à peu près 3-4 heures. La chirurgie n'est pas très longue. Les patientes vont rester avec nous 1 à 3 jours. D'habitude, 4 à 6 semaines de convalescence. Puis, pour les activités sportives, 6 à 8 semaines. Mm-hmm. Merci. Merci beaucoup, bien Dr. Bernier. J'ai plusieurs questions pour vous maintenant. Est-ce que vous avez terminé? Oui. Oui, d'accord. J'ai très intéressant. Encore une fois, beaucoup de questions, beaucoup de réponses qui permettent par la suite de prendre une décision. J'ai quelques questions pour vous, Dr. Danino. J'ai reçu une mastectomie partielle. Mon sein est avec une reconstruction mammaire, mais mon sein ne ressemble pas du tout à l'autre. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et est-ce que la réparation, si on veut, est couverte par la RAMQ? Oui, merci beaucoup. C'est effectivement des très grandes questions parce que l'égalisation de la reconstruction du sein contralatéral, c'est en fait le travail sur le sein qui n'a pas été reconstruit. Et il faut le rendre le plus semblable à celui qu'on a reconstruit. Puis dans un second temps, il faut essayer de reconstruire l'aréole et le mamelon s'ils ont été enlevés. On a 4 techniques et ces 4 techniques de chirurgie plastique qu'on utilise habituellement. On peut augmenter le sein contralatéral, on peut le réduire, on peut le redraper, donc juste travailler sur la peau. Et enfin, on peut y ajouter de la graisse dans certains cas. En général, ça se fait toujours 3-6 mois après la reconstruction primaire et c'est toujours couvert par la RAMQ. Dès que vous avez eu un cancer, tous les gestes qui vont être faits pour reconstruire, que ce soit le sein qui a eu le cancer ou le sein contralatéral, vont être couverts par la RAMQ. Donc, les 4 techniques. Ici, quelques exemples. Sur la série de diapositives en haut, on voit une patiente qui a eu une reconstruction. On voit que le sein contralatéral est beaucoup plus gros. C'est une réduction mammaire qu'on doit faire. Deuxième ligne, pareil, c'est un redrapage du sein. Donc, cette fois, on va surtout travailler sur la peau pour essayer de concentrer le volume du sein contralatéral sur la patiente sur la deuxième ligne pour avoir une symétrie et une harmonie, finalement, des deux seins. Et enfin, sur la troisième patiente, troisième série de diapositives, on voit qu'il y a des petites imperfections suite à la reconstruction. C'est une reconstruction sur une mastectomie prophylactique, donc on a conservé les mamelons et on va affiner, on voit que la prothèse est un peu visible, ce qu'on appelle des vagues sous la peau. Alors on va mettre de la graisse qui va permettre de redonner un aspect plus naturel. En ce qui concerne le mamelon et l'aréole, c'est deux étapes différentes. Dans un premier temps, on va reconstruire le mamelon 3 à 6 mois après l'égalisation des seins. C'est comme un origami. On fait un pliage sur la peau, soit du lambeau, soit sur la peau résiduelle du sein. On fait un pliage cutané. C'est une chirurgie assez simple, anesthésie locale. Ça dure une vingtaine de minutes. La patiente repart tout de suite après. Et 3 à 6 mois plus tard, on fait le tatouage qui va être la touche finale à la reconstruction. Donc, c'est des petites étapes. Là, on parle d'étapes qui se font sous anesthésie locale. Il faut savoir qu'une aréole et un mamelon
tatoué ou retravaillé n'a plus de sensibilité. Donc ça, on n'est pas capable de reconstruire l'organe à l'identique. C'est quand même de la triche, mais on arrive à des résultats assez proches d'une harmonie. Et il se peut aussi, on est toujours ouvert en tant qu'équipe de reconstruction à faire des retouches. C'est les patientes qui à un moment nous arrêtent et nous disent « moi, je suis à l'aise avec le résultat que j'ai obtenu ». Donc oui, c'est remboursé par la régie et oui, c'est disponible et toutes ces étapes sont disponibles. Et notre travail, le travail de toute l'équipe, c'est d'accompagner nos patientes dans ce cheminement. Et une des questions qui est posée souvent, je pense que vous l'avez répondu, mais je trouve important de la reposer. Est-ce que c'est possible de pouvoir reformer les seins parfaitement identiques par la suite en reconstruction? Tous les organes pairs sont jamais parfaitement identiques. Alors, vous pouvez regarder mes yeux, vous verrez qu'ils ne sont pas parfaitement identiques. Donc les seins, naturellement, ne sont pas parfaitement identiques. Mais on essaye d'arriver le plus loin possible dans cette harmonie. Donc plus qu'un aspect identique, je vous dirais un aspect harmonieux. Harmonieux. C'est le mot à retenir, harmonieux. Merci. Merci grandement à vous deux, Dr. Danino, Dr. Bernier. Encore une fois, c'est le temps de prendre une courte pause. On vous retrouve dans quelques minutes pour la suite. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Virage. Nous sommes une fondation qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer. Nous sommes situés au CHUM, au pavillon C, au 14e étage. Nous avons plusieurs services offerts, dont l'essayage de gaines et de soutien-gorge pour la reconstruction mammaire, prêt de prothèses capillaires, kinésiologie et plein de différents ateliers. Appelez-nous ou venez prendre rendez-vous ici sur place. Il nous fera plaisir de vous aider et de vous écouter. La Fondation Virage est fière de s'associer à la soirée Bravo. Bonne soirée à toutes. Voilà, nous sommes de retour, Dlin. Donc, je suis en compagnie de mon collègue, Dr. André Odobescu, chirurgien plasticien et membre de l'équipe de reconstruction mammaire du service de chirurgie plastique du CHUM. Bonsoir, Dr. Odobescu. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, Dr. Odobescu, plusieurs patientes se retrouvent avec un lymphédème au bras suite à ces traitements de cancer du sein. Je vous soumets une question fréquemment posée par les patientes. Je fais du lymphédème au bras du côté du sein opéré pour le cancer et c'est dérangeant. Existe-t-il un traitement chirurgical et une solution pour cela au CHUM? Est-ce que toutes les patientes avec ce problème sont éligibles à cette chirurgie? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, le lymphédème, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un problème avec les vaisseaux lymphatiques, d'habitude d'un côté là où on a eu le cancer du sein. Et ça arrive suite à la chirurgie, quand on enlève les ganglions au niveau de l'aisselle, où on a de la radiation au niveau de l'aisselle, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une interruption du flux lymphatique dans cet bras affecté qui fait un gonflement et ça, on appelle une édème. Et ça peut être très dérangeant et ça peut causer beaucoup de problèmes, même des années après qu'on a fini avec les traitements du cancer du sein. Donc, c'est un fardeau tout à fait additionnel au cancer du sein et c'est très dérangeant. Jusqu'à quelques années, la thérapie qu'on avait pour ça, c'est la thérapie combinée de décongestion, on appelait ça. Et vous voyez ici, il y a quatre éléments à ça, le drainage lymphatique manuel, l'exercice, les vêtements compressifs et les soins de la peau. Et le problème avec ça, c'est que aucune de ces traitements est suffisante tant que tel pour traiter le lymphédème. C'est pour ça qu'on fait ça tout ensemble. Et ça ne semble pas être beaucoup, mais quand on pense qu'un patient a besoin de faire ça pour toute leur vie, chaque jour, c'est quand même une lourdeur qu'ils ont besoin d'avoir pour le restant de leur vie. Et c'est à cause de ça qu'en chirurgie plastique, en reconstruction, il y a eu beaucoup de travail dernièrement, dans les dernières quelques années, pour trouver des options chirurgicales pour traiter les lymphédèmes. Et ça, ça veut dire les transferts lymphatico-veineux, les transferts ganglionnaires vascularisés et la liposuction avec XRS cutané. Ici, on voit le stade des lymphédèmes à gauche. Ça ne semble pas être grand-chose, mais
avec les stades plus avancés, on voit que les bras sont plus gonflés quand on compare avec les côtés, l'autre côté. Et ça peut être, au niveau du stade 4, très dérangeant, très déformant. Ça peut entraîner des infections à répétition, même très dangereux. Donc, ces trois stades ici, les stades 2, 3 et 4, c'est ça qu'on a essayé de traiter avec la chirurgie pour améliorer. Les transferts lymphatico-vénulaires, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une bypass, c'est un drainage du réseau lymphatique dans les réseaux veineux pour éviter la zone dans les selles qui ne marche plus. Donc, l'idée, c'est en chirurgie, avant la chirurgie, on utilise colorant fluorescent qui nous montre les vaisseaux lymphatiques. On marque ça sur la jambe ou sur les bras dans le cas du cancer du sein. On utilise un autre appareil avec lumière proche infrarouge pour identifier les réseaux veineux sous-cutanés qu'on ne voit pas avec les yeux. Et l'intersection des deux marquages qu'on fait, ou la proximité des deux, nous donne une idée là où on doit aller chercher les deux vaisseaux et faire la connexion. Et ici, vous voyez, on appelle ça un traitement super microchirurgical parce que, en fait, les vaisseaux sont très, très petits. Chaque carré que vous voyez là, c'est 1 mm. Donc, les vaisseaux en vert, là-bas en haut, les vaisseaux lymphatiques, c'est à peu près 0,5 mm. Si on n'avait pas le colorant vert dans les vaisseaux, on ne voyait même pas avec nos microscopes très performants. Donc, vous pouvez regarder là-bas les petits spot noir, ça c'est les fils qu'on a utilisés pour coudre les vaisseaux, pour laisser les vaisseaux lymphatiques drainer leur lymphe dans les veines. Donc, ça, on fait ça dans les stades de lymphédème, là où les vaisseaux existent encore, les vaisseaux lymphatiques, mais ils ne sont pas capables de passer à travers les selles. Donc, on donne une autre sortie pour ça dans les réseaux veineux. Parce que c'est des très petits vaisseaux, on fait d'habitude 5 à 10 anastomoses comme ça. Ça prend quand même une bonne partie de la journée. Et ça marche quand même bien. Ça n'enlève pas complètement le lymphédème. Par contre, ça enlève beaucoup de complications. Ça enlève d'habitude la nécessité d'avoir la compression et tous les traitements quotidiens. Les transferts ganglionnaires vascularisés, c'est une autre type de transfert, un peu comme Dr Gagnon a parlé du lambeau Dieppe. Ça, c'est aussi un lambeau, mais on ne prend pas de la graisse et de la peau avec les vaisseaux, on prend en fait des ganglions fonctionnels avec leurs vaisseaux. On met ça dans un milieu avec les lymphédèmes, où il y a un stagnage de la lymphe. Et ces ganglions qui marchent maintenant, parce qu'ils sont des nouveaux ganglions pas affectés par la maladie, sont capables d'absorber cette lymphe et le drainer dans les réseaux vasculaires. Ici, on montre, c'est un lambeau qu'on prend au niveau du cou, c'est appelé un lambeau supraclaviculaire. Ça ne marche pas toujours parce que pour avoir les deux traitements qu'on a parlé ici, on a besoin d'avoir des vaisseaux qui sont encore compétents. Et quand le lymphédème est très avancé, les vaisseaux ne marchent pas. Et il y a des fois, ou d'habitude en fait, une prédominance des tissus adipeux dans la zone. Donc, pour ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une combinaison entre la liposuction pour enlever l'excès des graisses. Après ça, on enlève l'excès cutané et on fait un redrapage, en fait, de la peau pour donner une meilleure forme au niveau du bras. Donc, avec les traitements classiques qu'on a parlé, les thérapies décongestives et aussi les traitements chirurgicaux, moi, je pense qu'on offre au CHUM quand même toute la panoplie des chirurgies pour les problèmes lymphatiques suite au cancer. C'est fantastique parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup d'options. Donc, il n'y en a pas juste une, il y a plusieurs options adaptées. Vous êtes là pour soutenir les patientes qui souhaiteraient, là, qui se posent des questions et pour qu'ils prennent la décision qui est appropriée. Exactement, et ça change chaque jour. Continue d'évoluer en plus. Donc, il y a beaucoup d'espoir. C'est un beau segment rempli d'espoir. Merci beaucoup, Dr Rodoubescu. Ça fait un plaisir. Restez avec nous. Nous allons parler dans quelques secondes de préservation de la fertilité en tant que cancer. Merci. Connaissez-vous les fiches santé produites par les experts du CHUM? Une fiche santé sur le cancer du sein est gratuite, disponible sur notre site Internet. Elle aborde toutes les sphères du cancer du sein.
Des vidéos explicatives sont aussi à votre disposition sur différents sujets, comme les options et les répercussions de la chirurgie, la convalescence et des trucs et astuces en lien avec la reconstruction mammaire. Nous avons même un programme de détection de la détresse. Le CHUM est là pour vous. Voici, et nous en sommes déjà au dernier segment de la soirée. Nous allons parler de cancer du sein chez les jeunes patientes et de préservation de la fertilité. Docteur Boumri, je vous laisse présenter notre prochain présentateur. Ça me fait grand plaisir. Donc, ça fait plaisir d'accueillir Dr Jacques Cadoche, qui est obstétricien et gynécologue au CHUM, ancien directeur du service de fertilité au CHUM et expert en fertilité. Bonsoir, Dr Cadoche. Bonsoir. Merci d'être ici avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Dr Cadoche, l'annonce du diagnostic de cancer du sein chez les jeunes patientes qu'on en voit de plus en plus au CHUM est très perturbante pour la patiente, qu'elle doit prendre la décision en même temps pour ses traitements de cancer, de prendre la décision de prévoir sa fertilité future et de préserver sa fertilité pendant que toute l'anxiété du diagnostic est là. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est important de préserver la fertilité? Est-ce qu'il y a d'autres options? Est-ce que les patientes sont admissibles à tous ces traitements-là de fertilité et de préservation? Parfait. Donc, en fait, il faut voir que la perte de la fertilité est vécue comme une complication extrêmement difficile à vivre par les patientes. Et déjà, l'annonce du diagnostic est très difficile et il faut surmonter pour les patientes le traitement oncologique. Et en plus de ça, penser au futur. Je vais quelques diapositives. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est que l'incidence du cancer du sein s'est améliorée parce que l'oncologie a fait des progrès. Mais là, ça se traduit également par une augmentation du taux de survie. Donc, on a de plus en plus de jeunes patientes qui vont survivre au cancer et il faut anticiper cette volonté de fonder une famille. Et ces patientes n'y pensent pas systématiquement. Et c'est à l'équipe soignante d'y penser et de les référer aux médecins de la reproduction. Donc, la fertilité est donc une thématique clé dans le traitement même du cancer. Ça fait partie de l'après-cancer. Et donc, ça, il faut absolument que les gens en soient conscients. Il y a des recommandations de l'Association américaine d'oncologie clinique qui disent que toutes les patientes qui ont eu un cancer du sein doivent être informées de cette possibilité de préserver leur fertilité. Et il y a quelque chose d'aussi important à savoir, c'est que depuis 2016, au Québec, l'oncofertilité est couverte par la RAMQ. Donc, en fait, il n'y a aucune raison de ne pas référer les patientes dans des cliniques de fertilité. Donc, l'oncofertilité, globalement, c'est une spécialité, une surspécialité qui existe depuis 1996. C'est une discipline qui est à la croisée de l'oncologie et de la médecine de la reproduction. Et le but, c'est de préserver la fertilité de ces jeunes patientes. Parce qu'en fait, on sait que les traitements oncologiques vont altérer la fertilité, que ce soit la radiothérapie ou la chimiothérapie. C'est des traitements efficaces, mais qui ont des effets indésirables, bien entendu. Donc, ce schéma est important. Comme vous pouvez le voir, ça reflète un peu l'horloge biologique. Donc, sur la courbe grise, on voit qu'il y a une chute inéluctable en fait, de la réserve ovarienne de toutes les patientes, avec une diminution progressive au cours de la vie, avec une accélération à 37 ans. Mais quand une patiente subit un traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie, il y a une brisure de cette courbe et la chute est beaucoup plus vertigineuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument penser oncofertilité. Une patiente qui subit de la radiothérapie et de la chimiothérapie a 100% de risque d'avoir une diminution prématurée de leur fertilité. Donc, ce que je comprends, c'est que vous allez aussi amener le sujet vers la patiente. Là. C'est ce qui est fascinant. Là. Vous êtes là pour pouvoir lui faire prendre cette décision-là ou à tout le moins y réfléchir pour préserver sa fertilité. Bien, en fait, malheureusement, ce n'est pas à nous d'en parler parce que nous, on nous réfère les patientes. Ça doit se faire en amont. D'accord. Il y a de plus en plus, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine, je vois qu'il y a une sensibilisation des oncologues et des équipes qui prennent en charge des patientes en oncologie
pour référer les patientes en fertilité, mais malheureusement, on se rend compte que des fois, ça vient de la patiente. Et si la patiente n'y pense pas, on peut passer à côté d'une opportunité. Donc, c'est pour ça que la sensibilisation est importante. Donc, comment peut-on préserver cette fertilité? Donc, la médecine de la reproduction, elle aussi, a fait de gros progrès au cours des dernières années. La technique qui est actuellement la plus utilisée au Québec parce qu'elle est remboursée, c'est la congélation ovocytaire. C'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 15 ans, mais maintenant, on peut congeler des œufs, des ovules, tout simplement. Donc, ça nécessite une stimulation des ovaires qui prend 2 semaines. Et c'est vrai que dans le parcours de soins de la patiente, il faut trouver ces 2 semaines pour préserver la fertilité. Des fois, on arrive même à faire 2 cycles de préservation. Donc, quand la patiente est référée tôt. Donc, l'idée, c'est d'y penser le plus rapidement possible. Donc, comme je disais, c'est un traitement qui nécessite du temps, donc 2 semaines. Et il y a besoin d'une stimulation hormonale et elle est recommandée le plus rapidement possible. Donc, cette congélation ovocytaire, on peut la faire également chez des patientes célibataires. Ça, c'est un diagramme qui est assez intéressant, qui démontre en fait que ça dépend beaucoup du pronostic de l'âge de la patiente. Si on prend l'avant-dernière ligne, si on préserve 10 ovules chez des patientes jeunes, elles ont un taux cumulé de grossesse de 60% à moins de 35 ans. Mais plus de 35 ans, c'est la moitié de ces chances-là. Donc, oui, il y a la réserve ovarienne qui est extrêmement importante, mais l'âge de la patiente est aussi important et on ne peut pas, des fois, malheureusement, proposer de la préservation de fertilité chez des patientes plus âgées. La congélation d'embryons, c'est la technique la plus classique. Donc, elle s'adresse plus à une femme qui est en couple. On congèle cette fois-ci des embryons. On stimule exactement comme pour la congélation ovocytaire. Mais là, on fabrique des embryons. Mais là, il y a bien entendu c'est une propriété commune du couple. Donc, si le couple se sépare, ben, il peut avoir des problèmes au niveau de l'utilisation de ces embryons. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise de moins en moins. Là, vous avez une image qui représente l'expérience de l'oncofertilité à la clinique OVO depuis les dernières années, les 10 dernières années. Donc, la courbe du haut, c'est l'âge des patientes. Vous voyez que c'est des patientes en général qui ont autour de 30 ans. La courbe du bas, c'est le nombre d'ovules que l'on préserve. Donc, vous voyez que c'est autour de 10 ovules par patiente en moyenne. Donc, si je rappelle les chiffres dont je parlais, c'est quand même 60% de taux cumulé de grossesse chez les patientes jeunes. Donc, les barres bleues correspondent en fait à la congélation embryonnaire qui a été abandonnée depuis 2016 parce que c'est uniquement la congélation ovocytaire qui est remboursée. Et vous voyez qu'à la clinique OVO, on en fait à peu près une quinzaine par mois. Donc, la clinique OVO, c'est une clinique où la majorité des médecins du CHUM en fertilité travaillent parce qu'on n'a malheureusement pas de clinique de procréation assistée au CHUM. Il y a d'autres techniques de maturation ovocytaire in vitro. L'idée, c'est d'éviter, quand on n'a pas trop de temps, de stimuler la patiente pour obtenir des ovules matures. On peut prélever en amont des ovules immatures qu'on mature secondairement in vitro. Mais c'est une technique qui est pas très utilisée. Et enfin, ça c'est un peu plus prometteur, c'est la congélation de fragments ovariens. L'idée est de prélever une partie de l'ovaire et cette partie de l'ovaire, on peut la greffer ultérieurement à la place de l'ovaire pour restaurer une fertilité naturelle. Et là, il y a à peu près une trentaine d'enfants qui sont nés dans le monde grâce à cette technique de transplantation du cortex ovarien. Il y a aussi des équipes qui travaillent sur la maturation in vitro de ces bouts d'ovaires. Donc, on essaierait de maturer les ovules in vitro et ensuite transférer l'embryon chez la patiente. Donc, ça, c'est un petit peu le futur. Donc, il y a beaucoup d'options pour nos patients. Beaucoup d'espoir également. Et beaucoup d'espoir également. Et l'espoir fait vivre. Et comment? Et l'espoir fait vivre. Tout à fait. Et c'en est la preuve. Et ce qu'on retient encore une fois, c'est l'importance d'informer les patientes, les jeunes patientes qui viennent d'être diagnostiquées avec un cancer, qui ont beaucoup d'espoir pour avoir un enfant par la suite. C'est fantastique. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kadosh, d'avoir partagé avec vous ces moments. On prend encore une courte pause, mais au retour, j'ai l'immense privilège de recevoir 2 femmes, dont une jeune femme qui est passée au travers d'un traitement de fertilité pendant son cancer. Revenez nous voir.
Le CHUM offre une multitude de services pour accompagner et soutenir ses patientes tout au long de la maladie. Que vous ressentiez de la détresse psychologique, que vous ayez besoin de conseils en nutrition, que vous ayez des craintes en lien avec votre sexualité, ou encore que vous souhaitiez connaître vos prédispositions héréditaires et les risques de développer un cancer, le CHUM est là pour vous. Consultez votre équipe soignante ou votre médecin traitant qui pourront vous référer à l'un de nos services. Nous revoici déjà pour notre dernier segment, mais non le moindre, puisqu'on va vivre ensemble un beau moment rencontrant deux femmes extraordinaires, des femmes, Dr Boumri, que vous connaissez. Alors, je vais vous laisser les présenter. Ça fait grand plaisir de les présenter. Donc, nous sommes en compagnie d'une jeune patiente de 30 ans, Amélie Béliveau, qui a eu une préservation de la fertilité avant ses traitements de cancer du sein. Donc, et d'une proche aidante qui est sa maman, Nathalie, qui l'a accompagnée tout au long des traitements et tout ça. Ils vont nous raconter un peu leur vécu durant la maladie et tout ça. Je vous laisse la parole, Lynn. Merci beaucoup. Je pense que ça va être un beau moment pour les gens qui sont à la maison. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Bonsoir, la maman. Bonsoir. C'est beau de vous voir ici aujourd'hui parce que c'est important d'être bien accompagnée. Mais Amélie, avoir 30 ans, se faire diagnostiquer comme étant atteinte d'un cancer, on vit ça comment? C'est très intense. on met souvent l'accent sur l'annonce du diagnostic, la journée de l'annonce, mais je dirais que ça prend quand même du temps avant d'assimiler l'information. Puis une fois qu'on l'assimile, c'est vraiment on se sent tomber dans le vide. Moi, personnellement, je me sentais tombée dans le vide avec aucun filet de sécurité. C'est comme... On n'a aucune idée, on a une idée de ce qui va s'en venir, mais on n'a aucune idée de comment le corps va réagir. Est-ce que ça va être douloureux? Est-ce que c'est vraiment paniquant, honnêtement? Puis je dirais, à 30 ans, un des défis, c'est que nos amis, notre entourage, n'a pas nécessairement la maturité qu'il faut pour nous épauler. Ils ne sont pas à la même place, finalement. Ils ne sont pas du tout à la même place. J'ai eu des commentaires, vraiment, des fois. Puis les gens, ils ne le font pas méchamment, c'est maladroit, mais des commentaires, des fois, un peu étranges. Donc, vraiment une déconnexion par rapport aux gens de notre propre génération, là, si je peux dire ça comme ça. Mais d'un autre côté, on dirait qu'on a un appui encore plus solide, des gens un peu plus vieux peut-être, qui ont eu plus d'épreuves, qui ont beaucoup plus de maturité. Donc, c'est vraiment ces deux pôles-là. Puis un autre phénomène, c'est que, tu sais, à 30 ans, en général, la société s'attend, puis c'est ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, les gens sont au début de leur vie, c'est tous des couples heureux qui prévoient avoir des enfants, où ils ont déjà un enfant, un deuxième sur la route, le mariage, la maison, le condo. Puis là, toi, on dirait que tu frappes un mur, puis tu as vraiment l'impression... Moi, l'impression que j'avais, c'était de faire du surplace. De faire du surplace ou même de régresser. Ou d'être arrêté. Exactement. Tout est arrêté. Toi, t'es comme pris là, puis tu vois tout le monde qui avance autour, puis toi, t'es comme vraiment dans le noir. Et ça fait pas si longtemps là, que ça s'est passé. Non. En fait, moi, j'ai eu mon diagnostic le 9 décembre. Puis j'ai terminé ma chimiothérapie le 11 mai. Wow. Donc, ça fait quelques mois, là, ça fait pas longtemps, ouais. Et comment on pense justement à la fertilité? C'est qui vous a fait penser de faire un traitement pour préserver votre fertilité? Bien, en fait, moi, c'est mon chirurgien-oncologue, Dr Younan, qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Donc, j'ai rencontré Dr Younan le 9 décembre. Il m'a envoyé tout de suite voir Dr Boumri. puis dès mon premier rendez-vous, il m'a tout expliqué comment ça allait se passer. J'étais BRCA1, donc il m'a expliqué que, justement, là, je devais aller voir Dr Boumri pour avoir une mastectomie totale bilatérale. Et ensuite, il m'a expliqué les conséquences possibles de la chimiothérapie, qui était l'infertilité. Puis il m'a fortement conseillé évidemment, ça demeure toujours le choix de la patiente, mais il m'a dit que si jamais je voulais éventuellement avoir des enfants, il m'a suggéré d'aller passer en fertilité, ce que j'ai fait.
Puis j'ai fait la fertilité au début du processus. En fait, moi, j'ai eu mon diagnostic le 9 décembre. Mm-hmm. J'ai eu mon opération le 21 décembre, donc vraiment rapidement. Puis le 4 janvier, j'ai commencé ma fertilité. Fait que c'était vraiment intense, puis c'était tellement un tourbillon. Des fois, je me disais, mon Dieu, pourquoi je fais tout ça? Là? Des fois, je m'arrêtais, puis j'avais pas de conjoint, j'avais pas de projet immédiat d'avoir des enfants. Puis là, j'étais là, je faisais mes piqûres et tout. Puis tu te demandes pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça? Puis tu continues. Puis c'était une autre étape difficile parce que je me souviens, moi, j'ai fait ma fertilité à Sainte-Justine, puis j'ai eu je venais d'avoir ma mastectomie, donc j'étais assise là dans la salle d'attente avec mes drains. Là. j'étais assise là avec mes drains. J'allais commencer ma chimio. Puis j'étais entourée de beaux petits couples là, qui avaient des projets de faire des familles. Fait que c'était encore d'être confrontée au fait que, dans le fond, toi, moi, j'étais là pour préserver là, au cas où, puis de voir tout le monde qui avance. Mais je vous dirais, une fois que ça a été fini, j'étais vraiment contente de l'avoir faite parce que je me suis dit, tu sais, un, j'ai réussi la première étape, ben, la deuxième, parce que j'avais eu ma chirurgie, mais une étape importante de mon parcours de soins. Puis, je me suis dit, je ne voulais pas avoir de regrets. Je ne sais pas où la vie va mener. Donc, si un jour, je veux des enfants, je ne voulais pas avoir de regrets. Puis, ça m'a permis d'appréhender la chimiothérapie qui s'en venait après avec beaucoup plus de sérénité. Oh, parce que wow. Je me suis dit, bon, ben, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être dans le noir pendant le processus, mais c'est un processus qui a eu une fin. Puis, je me suis dit, bon, ben, la chimiothérapie va commencer. Mais ça aussi, ça va être difficile. Ça va être très difficile, mais il va y avoir une fin. C'est des étapes. Exactement. Puis ça m'a permis vraiment d'avancer comme ça, étape par étape, puis de mieux voir que le cancer, c'est une période donnée dans ma vie, mais ça a une fin. Il y a un après-cancer qui existe. Donc, Une chose est sûre, vous avez l'air en pleine forme. Je pense que maman, quand elle écoute, et elle écoute sa fille raconter son histoire, elle est très heureuse de savoir tout ce chemin parcouru. On voit qu'il y a de l'avenir dans cette histoire-là. Comment vous vous êtes impliquée dans la vie d'Amélie pendant ce processus? En fait, il faut rappeler quand même qu'Amélie a eu son diagnostic pendant la COVID. Donc, elle habitait déjà chez moi partiellement durant la semaine, mais quand elle a eu son diagnostic, en fait, les choses se sont bousculées. Je me rappelle encore, le docteur Younan nous a annoncé ça de la façon... C'est la meilleure façon qu'on peut l'annoncer. C'est-à-dire? Ensuite, ben, il a tout simplement expliqué à Amélie qu'elle avait un cancer du sein. Et... Je dirais que je suis demeurée de marbre malgré moi. À l'intérieur, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on accompagne, comme proche aidant, on accompagne quelqu'un. On ne peut pas se permettre de se désorganiser, de se décomposer. Il faut être... tout de suite, j'ai compris que j'allais devoir rester composée et être forte dans la situation. Et ensuite, il nous a envoyé voir le docteur Bouméry. Je me rappelle, on a couru dans le corridor pour aller voir le docteur Bouméry qui a tout de suite expliqué à Amélie, il nous a montré des photos. Ça s'est passé dans ma tête, ça s'est passé très vite, mais ça s'est passé très bien. Puis je me souviens qu'Amélie, le docteur Bouméry lui a expliqué, bon, ben tu dois avoir une double mastectomie. Puis elle lui a répondu, bon, ben c'est parfait, je vais y penser. Et là, j'ai compris qu'est-ce que ça allait être mon rôle de proche aidant. J'ai dit, bien là, Amélie, tu n'as pas le temps d'y penser. finalement, le docteur Bouméry lui a expliqué que si c'était sa propre fille, sa propre sœur, il lui aurait fait la même recommandation. Puis de là, on est parti. Et il y a un contexte particulier là, dans lequel s'est vécue votre histoire, entre autres, au niveau du gène BRCA1 là, qui est présent dans votre famille. Oui, mais en fait, on le savait. On ne le savait pas depuis très longtemps. Ma sœur est décédée du cancer de l'ovaire à 54 ans à Philadelphie. Elle a lutté pendant 3 ans pour sa vie. Et on a su à la toute fin, en fait, moi, je ne l'ai même pas su tout de suite, mais aux États-Unis, ils ont passé des tests génétiques. Ils ont informé ma mère comment ça demeure un mystère. Là, je ne sais pas comment elle l'a su, mais éventuellement, elle est allée passer des tests dans un autre hôpital. Elle a eu ses résultats en janvier l'année dernière. Elle m'a dit, c'est positif, Nathalie, il faut que tu ailles passer des tests aussi. Moi, j'étais complètement incrédule. On ne réalisait pas, hein, Amélie, tu étais d'accord avec moi, on ne réalisait pas du tout les implications. Je n'étais pas informée. Alors, y avait le COVID, tout ça. J'ai tardé avant d'aller passer les prises de sang. Je suis allée au mois de juin. Ils m'ont dit que j'étais positive au mois de septembre et que j'allais devoir faire des chirurgies préventives. Je me suis dit, mais c'est des fous. Je trouvais que c'était complètement excessif.
Même j'en parlais avec des collègues, puis ils me disaient, ben voyons, donc on demande une deuxième puis une troisième opinion. Okay. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'Amélie est allée passer ses tests génétiques, puis on a eu un reality check vraiment solide, parce que le 8 décembre, elle a eu son résultat de BRCA1 positif, puis le 9, le diagnostic de cancer du sein est tombé. Alors, la nécessité d'une deuxième opinion est devenue vraiment superfétatoire. On a réalisé que là... alors, c'est le contexte familial dans lequel ça s'est inscrit. Et là, la période est passée. On parlait d'étapes tantôt. Mm-hmm. Vous êtes toute jeune. Oui. Quelle est la suite? On rêve à quoi après avoir traversé ce chemin-là? J'ai pas encore fini mes traitements. Je suis encore en traitement, mais j'ai l'impression d'avoir pris un gros coup de maturité vraiment rapidement. Puis... j'entendais souvent, j'ai écouté avant ma chirurgie, la veille de ma chirurgie, moi, j'ai fait un marathon bravoure. J'ai écouté toutes les conférences bravoure. Là, j'étais tellement nerveuse, j'ai écouté ça toute la nuit. Puis je me suis dit, je vais avoir le plus d'informations possible. Ça m'a vraiment permis de me calmer. Puis j'entendais des patientes dire, on voit la vie différemment. La vie, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas c'est quoi, mais on voit vraiment la vie sous un œil nouveau. Puis, aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai l'impression que la vie va être encore mieux après. Parce que des fois, on vit puis on a les yeux fermés, tandis que là, ça m'a ouvert les yeux face à la vie, sa fragilité, l'importance des relations humaines, l'amitié. J'ai l'impression que je vais cheminer avec les yeux grands ouverts, puis je vais peut-être avoir une meilleure vie même après. Étonnamment, j'ai vraiment l'impression que ça va être mieux. Puis que c'était vraiment une pause. Moi, je compare ça à une petite auto-jouet, là, parce qu'au début, je parlais souvent de régression, puis je me dis... Puis là, c'est plus, tu sais, les petites voitures qu'on recule, mm-hmm. puis là, elles partent, là. Ah oui? Donc, moi, je me vois vraiment comme une petite auto que... Tu sais, j'ai eu une petite pause, là. J'ai eu une petite pause dans ma vie. J'ai reculé, mais c'est vraiment pour mieux repartir par la suite. Wow! Je pense que c'est une des plus belles façons de finir la soirée, parce que c'était notre dernier segment. Donc, ça va peut-être être encore plus beau après. Je souhaite que les femmes qui nous écoutent suggèrent à d'autres personnes qui pourraient vivre la même chose aussi d'écouter les bravos pour se donner de l'espoir et de l'énergie, parce que c'est ce que vous montrez, cette belle énergie-là, on la sent. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Et pour nous, Dr Boumerie, croyez-le ou non, c'est fini. C'est la dommage. Soirée est déjà terminée. Merci, merci beaucoup. Donc, merci à vous. Donc, c'est sûr que l'événement Bravoure existe grâce au soutien d'entreprises et de personnes extraordinaires qui choisissent de donner du temps et du cœur à sa réalisation. J'en profite pour remercier Lynn, ma co-animatrice de ce soir, mais c'est aussi à nos partenaires, la Fondation du CHUM, la Fondation du cancer du sein, ClearPoint, Allergan et Mentor. Votre appui financier est essentiel et plus qu'apprécié. Merci à tous les membres de notre équipe technique. Discrets et efficaces, vous avez permis la diffusion de notre soirée pour que toutes les patientes puissent en profiter ce soir. Merci à tous les médecins spécialistes, mes collègues, qui, encore une fois cette année, ont pris le temps de partager avec nous tous leur expertise et de transmettre l'information aux patientes qui en ont besoin. Donc, voilà. Vos remerciements, je vais y aller avec les miens. Donc, moi, j'ai envie de remercier, bien sûr, tout le comité organisateur, dont vous, Dr Boumerie. Merci d'avoir été là et merci d'être un co-animateur fantastique. Merci à mon collègue également du comité organisateur spécialiste aux événements, Julien Vaillancourt, La Liberté. À nos bénévoles, Mme Lise Georges, Valérie Daigneault, Nathalie Rowe. Un immense merci à une patiente partenaire qui, depuis 2014, s'investit pour que Bravoure, la soirée Bravoure, soit de plus en plus magique et toujours meilleure que la précédente. Et je parle bien sûr de Carmen Lampron. Un grand merci à toi, Carmen. Merci également au docteur Danino qui a cru et à son équipe qui ont cru à l'importance d'avoir ces soirées-là. Et on le sait, c'est important pour pouvoir informer les femmes. Et merci à vous, les patientes. Merci à Mme Béliveau. Merci aussi à Mme Raymond, à Mme Dalpé qui ont partagé leur histoire. Je suis certaine que ces histoires-là vont pouvoir inspirer les femmes qui sont à la maison.
évidemment, je tiens à vous remercier, vous aussi, qui êtes là, qui vous nous avez suivis, écoutés. J'ai envie de vous dire que bravoure, oui, c'est une soirée, mais c'est plus que ça. C'est aussi un mouvement. Et tout le mois d'octobre, pendant le mois de sensibilisation au cancer du sein, on va continuer à vous offrir de la documentation, des informations qui vont vous permettre à vous aussi de continuer votre cheminement pour être bien informé. Un des premiers outils qui est disponible dès ce soir sur notre site web et également dans le fil Facebook de l'événement, c'est un aide-mémoire, 10 questions à poser à votre chirurgien pour pouvoir prendre une décision éclairée. On l'a entendu toute la soirée, on a le pouvoir de prendre la bonne décision, c'est entre nos mains, il faut bien s'informer. Alors sur ce, à tous, une magnifique soirée, merci encore. Merci Lynn et bonne soirée à tous. Merci.